searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue finalement pour vivre cette manche de Spa Francorchamps. Nous sommes en direct ce soir pour du GT, puisque les GTE Series continuent après la manche que nous avions vécue il y a de cela deux petites semaines. Eh bien, nous sommes de retour avec au programme de ce soir la piste de Spa-Francorchamps. Bonsoir, Francorchamps, pardon, bonsoir à toutes et à tous sur le chat. J'espère que vous êtes prêts pour vivre ce soir une course plutôt disputée avec 17 pilotes inscrits. Ces derniers sont en ce moment même dans la cabine de la direction de course pour le désormais traditionnel briefing, la piste donc de Spa-Francorchamps que vous voyez donc sur cette présentation. Nous sommes dans la région de Liège, une piste de 7 km et 4 mètres depuis le nouveau dessin qui avait été amené pour la chicane du bus stop, qui n'a d'ailleurs plus grand intérêt à être appelé comme cela. Le record de la piste est détenu par un certain Nico Rosberg. On ne va pas traîner puisque les pilotes quittent déjà ce même briefing. Le calendrier, vous voyez qu'on est à la 9e des 15 manches de ce championnat et il risque d'y avoir encore pas mal de mouvements et de choses qui risquent de se passer, notamment à Monza où ça va être très disputé et on a hâte de voir où va terminer ce championnat. Ce championnat dont voici le classement. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses et beaucoup de places qui doivent être décidées. David Lespès et Julien Rosé notamment avec 3 petits points de différence, hein, c'est pas énorme. Derrière c'est également disputé pour le top 10. Et même derrière, regardez, entre Sébastien Garcia et Arnaud Marcotte, il y a encore des places à prendre. La Q1 vient de débuter. On rappelle rapidement le potentiel, on va dire, tableau, même si là on a même un petit peu à l'avance avec une Q1 et une Q2 qui dureront chacune 10 minutes. Et la deuxième séance sera réservée aux pilotes ayant fait les 10 premiers résultats dans la Q1. Un petit warm-up de 10 minutes histoire de reprendre la voiture dans des conditions réel de fonctionnement, et enfin la mise en grille qui durera 6 minutes pour venir rejoindre l'emplacement de la grille de départ, et enfin on lâchera les bolides sur la piste de Spa pour 90 minutes de bagarre. Pour l'heure, eh bien les pilotes continuent d'évoluer, ils sont en tour de sortie pour l'instant. On va faire un point sur la liste des pilotes qui sont avec nous ce soir, mais avant il y a deux petits points que j'aimerais aborder avec vous. C'est tout d'abord les gommes disponibles. Vous voyez donc les nouveaux mélanges de gommes qui sont à disposition, même si des nouveaux composants sont arrivés depuis. Voici à peu près à quoi devraient ressembler les flancs des pneumatiques montés sur les voitures que vous verrez en piste ce soir. Nous passons quelques instants sur 3 petits détails que les pilotes devront tenir à l'œil, c'est-à-dire les limites de la piste ce soir. Eh bien, rien de plus simple, vous pouvez passer 4 roues au-delà de la ligne blanche au pied du raidillon. Également dans le gauche du speaker corner qui permet aux pilotes de mettre 2 roues sur le bumper et 2 roues sur l'astroturf et non pas 4 roues sur l'astroturf. Et enfin, la dernière partie du circuit soumise à cette règle, c'est le virage du raccordement, également appelé le virage Paul Frère. Il est l'heure de passer sans plus tarder sur le direct. Voici la première séance qualificative de ce soir. Je vous rappelle également que vous pouvez vous-même suivre sur le chat, voici le lien, le live timing de ce soir pour vous permettre de ne manquer aucune chose qui se passerait en piste et ainsi
voir les écarts. Et contrairement à d'autres disciplines IRL, nous, c'est gratuit. Alors, on retourne enfin voir ce qui se passe en piste. Vous voyez qu'il y a actuellement 18 bolides sur cette piste de Spa-Francorchamps. 29 degrés température au sol, 13 degrés température ambiante. Il ne devrait, je dis bien devrait, pas pleuvoir ce soir. Le chat, merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. On devrait ce soir vivre pas mal de belles choses, alors qu'il y a déjà justement une voiture en tête à queue. Je crois que c'est une Corvette, parce qu'il y a eu également des changements de livrée. Vous voyez Ludovic Breton ici, 15e pour l'heure, mais qui est allé à la faute et qui attend sagement son tour pour récupérer une place sur le toboggan spadois. Donc il y a des voitures nouvelles qui arrivent, il y a des voitures qui reviennent. On va vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la soirée. On est avec, on va d'ailleurs vous mettre comme il se doit, les écarts. Vous le voyez sur la partie en haut à gauche de l'écran, les chronos pardon, plutôt que les écarts, je vais y arriver. Et ensuite en bas, voilà, les écarts en temps réel par rapport à leurs adversaires. On est avec Anthony Hans, le pilote leader autoritaire de ce championnat, qui, il nous l'a avoué, avait constamment détruit la voiture lors du dernier meeting au Canada. Disputé sur le circuit Gilles Villeneuve, cette manche avait été très disputée avec une lutte entre David Lespès et Nicolas Paillès, qui s'était soldée par une victoire méritée. Et au final, Anthony Hans n'avait pas perdu tant de plumes que cela. Et il est quoi de mieux que Spa-Francorchamps pour se remettre en selle après une rentrée difficile? Il manquait des pilotes. Nous sommes ce soir 18 en piste finalement. Une grille plutôt fournie avec des noms que l'on connaît bien. On va passer un petit peu en revue tout cela. Ici, nous avons Nicolas Paillès à l'image avec sa Ferrari la plus véloce de la grille actuellement. David Lespès avec la BMW qui s'était donc, je vous le disais, imposée lors de la manche du Canada. N'hésitez pas à nous dire sur le chat si pour vous la balance du son est correcte, si vous souhaitez un peu plus de son moteur ou si vous m'entendez un peu inférieurement par rapport au son de ses bolides. La voiture de Simon Pirard, un retour, tiens, Simon Pirard que l'on n'avait pas vu lors de la manche canadienne est là de retour. Julien Rosé, actuellement 3e du championnat, qui continue. La Ferrari d'Olivier Vignon, qui avait fait un podium au Canada, est également présente. Thomas Pinotto, tiens, le retour des Aston Martin qu'on avait vu parfois absente. Cyril Laviti revient également après une petite absence. Sébastien Garcia, que l'on avait vu en difficulté lors de la manche précédente, est également présent. Laurent Bougazzi, de nombreux têtes à queue au Canada avec une voiture dont les freins étaient très mal réglés. Eh bien, oh là là, alors là, la limite de la piste, ça fait déjà un coup. Eh bien, la voiture avait des problèmes de balance de freinage. Paul Fillot, navré pour la mauvaise prononciation de son nom de famille. Je n'avais pas prêté attention au double L, donc ce n'est pas Fillot, mais bien Fillot, donc navré Paul pour la mauvaise prononciation qui a duré pendant toute la manche précédente. J'essaierai de ne plus commettre cet impair. Merci pour le retour au niveau du son, amis viewers. Vous savez que c'est avant tout pour vous que l'on diffuse ces compétitions. Et regardez ce qui se passe, il ne reste que 5 minutes dans cette séance qualificative. Maintenant que le décor est planté, on va commencer à s'intéresser à ce qui se passe en piste. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, les écarts en piste sont très difficiles à combler, parce qu'il y a quand même un circuit qui est très long, hein. La piste de Spa, c'est pas non plus la plus courte. Et il va falloir réussir à faire le meilleur chrono. Alors, je découvre mon live timing, pardon, histoire d'avoir tout cela correctement sous les yeux. Alors pour l'instant, c'est Nicolas Paillès qui est le plus rapide. Il vient d'ailleurs d'inscrire le meilleur chrono avec la Ferrari. Alors on sait que la BMW est la voiture qui respire le mieux sur les circuits et qui a le meilleur moteur. Alors on espère qu'elle pourra avoir quand même une certaine rivalité offerte par la Ferrari. Deux BMW suivent, celle de Hans et de Lespès. Simon Pirard fait pour l'instant un bon début de week-end, il est 4e, 5e Julien Rosé, 6e Logan Joyeux. Vous voyez qu'il y a des BMW un peu partout. L'équipe NGO Racing, qui avait pas mal de supporters sur le chat avant même le début de ce live, est de retour avec la Corvette C7R. Suivent Thomas Pinotto, 8e, 9e Cyril Daviti, qui vient de bloquer les roues, paf. Et Laurent Bougazzi, pour l'instant, 10e, belle performance. Il n'y a encore que deux pilotes, De La Salle et Leclerc, qui n'ont pas rentré de chrono. Donc plutôt belle performance de la part de Laurent Bougazzi pour l'heure. Paul Fillot est actuellement 11e, donc aux portes du top 10, mais il est en train d'améliorer. Allez, attention, Olivier Vignon, mais non, il est également en train d'améliorer aussi. On va voir où tout cela nous mène. Et Anthony Hans qui vient à l'instant de récupérer la pole position devant Nicolas Paillès. On va suivre ça. Voilà Nicolas Paillès qui devrait d'ici peu nous permettre de réagir. On voit l'évolution des chronos si vous avez le live timing comme nous. Alors voilà, je vais pouvoir réduire ce dernier et ainsi voilà garder l'ensemble des choses.
à l'écran, les choses nécessaires, pardon, à l'écran. Hello, Bacio Grande, thank you to be here with us. There is a few good drivers on track today. Donc on va essayer de rester en français, mais bon, si, évidemment, il y a d'autres personnes qui viennent et qui ne parlent pas et la langue de Molière, on essaiera de les accueillir comme il se doit. Nicolas Payès qui rentre à 2 minutes 35. On rappelle que les pilotes peuvent évidemment terminer leur chrono lancé avant le 0-0-0, tout simplement. Alors on est en 2-10 effectivement au niveau du chrono. Alors on est beaucoup plus lent qu'en réalité, n'oubliez pas que nous sommes en GTE et non pas en GT3, donc s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Il est évident qu'en GT3 on peut tourner facilement en 2-18 voire moins. Qui est en train d'améliorer. Oh là là, alors que là c'est très compliqué. Alors vous le savez, on peut couper sur certaines parties. Je le disais en début de direct, si vous n'étiez pas avec nous, je vais vous reproposer cela. Il y a 3 zones de coupage autorisées au pied du raidillon, 4 roues au-delà de la ligne blanche, également au niveau du speaker's corner où 4 roues sont autorisées sur le vibreur, et enfin au niveau du virage Paul Frère. Voilà pour ce qui est des autorisations de la direction de course. On est avec Olivier Vignon qui a réussi à redresser la barre. Il s'est replacé dans le top 10. Suivent donc Gilles Châtelain, 8e, Thomas Pinotto, 9e, Cyril Davitti, 10e, Sébastien Garcia est au ralenti pour l'instant, donc son tour, quant à lui, ne comptera pas. C'est sur la prochaine lancée qu'il faudra réagir. Paul Fillot est tombé au 12e rang, donc effectivement, on est en 2-10-305 pour l'instant pour Anthony Hans, qui n'est que 1/10 en avance sur Nicolas Payès et ça. Ferrari, Simon Pirard est déjà bien plus loin puisqu'il est à 1 seconde. C'est assez important. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur le chat. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie pour suivre la manche spadoise des GTE Series by FFSA. Si d'aventure vous ne seriez pas avec nous jusqu'à aux alentours de 23h30, hein, fin de cette soirée, eh bien vous pourrez dès demain aux environs de 16h retrouver la VOD sur la chaîne YouTube Maxoul Pilote, disponible dans la description. La semaine prochaine, effectivement, il y aura de la Porsche Super Cup qui, je crois, se courra sur ce même circuit, navré au passage pour la non-diffusion, pour des soucis de santé, de la manche précédente qui se disputait en Italie. Alors, Thomas Pinotto, pour l'instant, 10e. Il reste 20 secondes, donc c'est la dernière chance pour les pilotes qui ne sont pas dans le top 10 de pouvoir essayer d'y arriver. On embarque avec la Porsche de William Legrand qui est au ralenti. On se demande si c'est pas un coup perdu, c'est dommage. La fin de cette séance qualificative, Paul Fillot ne pourra pas améliorer. Drapeau jaune dans le premier secteur, que s'est-il passé de ce côté-là? On vérifiera ça. Laurent Bougazzi ne pourra pas rentrer un chrono. Qui est en train d'améliorer? Eh bien Wilson Lagrange, 15e, est ici en train d'améliorer, mais c'est terminé puisque là ça a été coupé plus que de raison. Ludovic Breton, 16e pour l'instant, avec une belle amélioration. Est-ce que ça pourrait lui permettre de rentrer dans le top 10 pour l'instant? Le 10e temps est en 2:13.786. Il revient à Thomas Pinotto. Alors, est-ce que l'écart peut être comblé? On va suivre ça avec donc la Corvette de Ludovic Breton, qui n'est pas sans rappeler la livrée bien des frères Busch en NASCAR, Kyle, avec une célèbre marque de bonbons. Et c'est finalement le 16e temps et je crois qu'il ne reste plus personne en piste, si ce n'est Mathieu Leclerc, 18e, qui n'a pas encore de chrono devant. Tous les autres sont dans un tour de rentrée. Cyril Davitti peut-être est en train d'améliorer. On regarde sur notre timing ce que dit le chrono du pilote BMW. Et non, ça ne sera pas suffisant, je pense, pour s'améliorer. Attention, il y a également Thomas Pinotto, 10e, qui doit se protéger, lui, pour tenter et de passer en Q2. Bonsoir aux derniers arrivants sur le chat. Et non, Thomas Pinotto qui ne conclut pas. Bah écoutez, je crois que l'on va en rester là pour cette séance, puisque les derniers pilotes sont en train de se retrouver à se préparer maintenant pour la Q2. Q2 qui, je le rappelle, est réservée aux 10 premiers pilotes du classement qui s'affiche actuellement en haut à gauche de votre écran. Mathieu Leclerc à l'écran, justement.
Et l'Aston Martin numéro 36 qui conclut son tour de qualification, va-t-il améliorer? Et oui, ça se passe bien puisqu'il boot hors du top 10. Thomas Pinotto, eh bien une Aston Martin peut en cacher une autre tout simplement. Et c'est donc l'Aston Martin de Mathieu Leclerc qui s'empare du 10e temps. Bien joué. Pour l'instant, pas de nouvelles de la salle qui n'aura pas rentré de chrono dans cette séance qualificative, peut-être suite à une pénalité qui a été donnée au niveau de la dernière manche. Un rapide rappel donc des pneumatiques de différentes compositions que l'on pourra retrouver ce soir. Également un point sur le calendrier, vous voyez donc on est arrêté ce soir sur la piste de Spa-Francorchamps avant de laisser place à Monza, donc ce sera le 5 octobre prochain. Et ensuite Silverstone, Suzuka, Austin au Texas, Adelaide et Bahreïn. On n'a pas le temps, tout simplement, on n'a pas le temps. Donc on va tout de suite repasser sur la Q2 qui vient de débuter. Décidément ça s'enchaîne très très vite ce soir, on va en finir à 21h30, c'est terrible. Les pilotes qui prennent la piste. Vous voyez qu'on ne va pas laisser beaucoup hein, de marge. On va rapidement tenter de se placer, le jeu n'est pas en ultra de toute façon la diffusion. Et pour des raisons de grand public... en 720p 60fps à 2200 de débit, donc ça n'est pas énorme, mais le fait que la diffusion se fasse sur Twitch plutôt que sur YouTube nous empêche de pouvoir avoir un flux adaptable à chacune des personnes. Mais peut-être que l'année prochaine on pourrait repasculer sur YouTube Gaming. En tout cas ça c'est pour les petites popotes internes, mais ne vous inquiétez pas, de notre côté on va tenter de faire le maximum pour vous satisfaire. En ce qui concerne les pilotes qui sont en piste, on a donc maintenant 9 minutes pour rentrer le meilleur chrono possible sur cette piste de Spa-Francorchamps. Les pilotes devront donc être le plus véloce en 2 minutes et un peu plus, et donc ça laisse peu de possibilités avec les pneus montés pour les mettre en température, faire un tour rapide et rentrer et peut-être faire un deuxième run, sachant que les tours, je vous le disais, donc étaient en plus de 2 minutes pour ces GTO. On opte presque pour l'une des BMW en pôle, mais il y a une Ferrari qui devrait semer les troubles faits. La voici, la voiture numéro 31, celle de Nicolas Payès. Une autre voiture, celle d'Olivier Vignon, que vous voyez ici également en tour de sortie, devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Restons quand même attentifs à ce que peuvent proposer les très véloces Aston Martin avec leur moteur V12 qui pourrait s'avérer très coupleux et donc un avantage sur la piste de sport. On a perdu 1 degré depuis le début de ce week-end, puisque nous étions à 13 degrés en température ambiante. Pas de menace de pluie pour l'instant, peu d'humidité dans le ciel de Francorchamps. Oh, et Simon Pirard qui est stoppé. Et il est arrêté au niveau du raccordement. Il est après le pif-paf avant le droit Paul Frère. Alors, table du troisième secteur. Alors, est-ce qu'on est en train de tout simplement laisser de la place pour avoir une piste libre? Le moteur semble tourner sur cette voiture. Alors, où est-il? Vous voyez que voilà, il va repartir. Et il attendait, je pense, simplement d'avoir une piste libre, Simon Pirard. Ce qui est, je pense, maintenant le cas. So, no, it's not the track from AlphaTauri 2 itself. It's the conversion of the track from Assetto Corsa. So it's a specific version of the track from the FFSCA. So if you want more information, you can go on the website, at the bottom of the stream. You can get all the information by click on the button called FFSCA. Voilà pour la personne qui posait la question. Simon Pirard débute son chrono. Anthony Jans, qui est pour l'instant le premier des hommes de tête à être sur cette piste de Spa. On embarque avec lui, avec, vous le voyez ici, l'un des virages où on peut aller allègrement au-delà de la limite de la piste, ce qu'il ne fait même pas pour le coup. No problem, that's normal to inform you. You also have all the information on the YouTube channel called Maxou Le Pilote. You can also click on that button on the bottom of the stream if you want. Désolé, mais là je suis entre l'anglais, le français et les informations. On me dit que ça se passe bien parce que c'est David L'Espèce pour l'instant qui est en train de faire le meilleur chrono. Je suis en train de regarder les écarts dans le premier secteur. 38 pour tout le monde. Nicolas Payet est un peu en retard. Deuxième meilleur secteur pour l'instant
pour David L'Espèce, battu il y a quelques dixièmes de seconde par Anthony Hans. On va voir si David L'Espèce est devant. Voilà, il est juste devant Anthony Hans. Donc on va avoir droit aux deux pilotes BMW les plus véloces du championnat qui vont conclure leur tour. Et ensuite, l'arrivée de la voiture de Nicolas Payès. Alors, David L'Espèce avec sa BMW du Blue Sky Racing qui conclut ce premier tour ici à Spa-Francorchamps. Et on est en 2.10.959. Et c'est Yann qui prend la pole en 2.10.2. Julien Rosé, 3ème. Logan Joyeux, 4ème. Attention à la BMW de Logan Joyeux. Cyril Daviti, 5ème. On attend Nicolas Payès. On attend Nicolas Payès qui fait un très très bon deuxième secteur. Le meilleur secteur absolu en 56 secondes, 339. Ça risque d'être très disputé. Drapeau jaune dans le premier secteur. Pas de qui il s'agit pour l'instant. Et la pole ! La pole pour la Ferrari, je vous le disais. Il fallait s'en méfier de cette voiture numéro 31 qui pour l'instant mène la barque face au BMW. Simon Pirard qui tente un nouveau chrono. Julien Rosé est en amélioration. Olivier Vignon qui débute son tour. On embarque avec la Ferrari à l'assaut du Raidion de l'eau rouge. Montez le son. Est en retard du côté d'Olivier Vignon dans ce premier secteur ici à Spa. Ça ne passe pas pour lui. Logan Joyeux qui améliore pas grand chose, 7 centièmes, mais ça se prend. Les moindres centièmes, justement, valent cher dans cette grille plutôt relevée, plutôt serrée. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent nous rejoindre. Merci. À la limite pour Logan Joyeux. On va terminer le tour de la voiture numéro 15 en sa compagnie. La sortie du bus stop maintenant et le verdict du chrono. Et ça n'améliore pas, on est 2 dixièmes plus lent pour Logan Joyeux. Cyril Daviti est plus lent également. Mathieu Leclerc s'accroche à sa 10e place. Il ne pourra plus la perdre désormais dans cette Q2. Il reste 3 minutes, peut-être les derniers moments pour oser rentrer au stand et sortir, faire sa dernière tentative. Gilles Chatelain qui vient d'entrer son premier chrono, il est 9ème désormais. En 2.15, 5 secondes derrière Nicolas Payès. Vous voyez qu'on va rentrer, peut-être chausser une dernière fois de nouveaux pneumatiques pour le poleman. Allez, Anthony Hans qui à son tour se lance à l'assaut du toboggan du Raidion. C'est assez impressionnant. Et ce Raidion est particulier, on n'en a pas encore parlé, on va pouvoir en parler ce soir, mais ce n'est pas n'importe quel circuit de Spa que vous avez sous les yeux ce soir. Le freinage décombe. On va avoir le tour de sortie de Yans. Bientôt Simon Pirard également tour rapide, semble-t-il. Julien Rosé qui améliore son premier secteur. On va le suivre dans le deuxième. Qui est souvent à l'avantage des Ferrari qui freinent et qui balancent mieux. La BMW est plus à son aise dans les premiers et troisième secteurs, des secteurs très rapide qui demande beaucoup de respiration au moteur, ce qui est donc le point fort de cette BMW, même si les balances ont été refaites et qu'elle est un petit peu moins à son avantage qu'auparavant. Les pilotes qui sont en train de faire un nouveau tour rapide sont en train d'améliorer, il y a du vert partout sur nos écrans. Toujours la pole en 2.10.2 pour Anthony Hans de manière très courte. Pour Nicolas Payès, pardon, de manière très courte devant Anthony Hans, ça se joue à 11 millièmes. Rendez-vous compte. Oh là là, deux drapeaux jaunes qui viennent de s'effacer. Assez surprenant dans les deux secteurs en même temps de surcroît. La BMW qui n'améliore pas, on est à un dixième plus lent.
Olivier Vignon qui est au ralenti. Et Logan Joyeux qui améliore mais qui ne gagne pas de position. Un dixième de mieux pour le pilote de la BMW. Attention, Gilles Châtelain qui est allé s'écarter au virage de Blanchimont pour ne pas gêner ses petits camarades. Mathieu Leclerc, dixième et pour l'instant dernier de cette séance, n'a pas de chrono. On suit le pilote Aston Martin en caméra embarquée maintenant. Et on vous laisse profiter un petit peu du son alors qu'il reste 30 secondes dans cette séance qualificative. Vous voyez à quel point c'est à la limite au niveau de Blanchimont. Ouais, il a failli la perdre là dans la chicane. Alors, il a perdu du temps sur cette même chicane. Allez, le verdict du chrono pour lui. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Oui, il passe 9e devant Gilles Châtelain. Alors, en tête, nouveau chrono. C'est parti pour Nicolas Paillez. Dernière chance pour tout le monde. On va voir si tout le monde a pu passer au niveau du chrono. Aïe, 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 Anthony Hans qui est en train de lâcher. Anthony Hans qui ne va pas avoir sa pole à domicile, je le sens. Ce tour-là est foutu et ce sera son dernier. Pareil pour David L'Espèce, on est en retard déjà. Rosé également. Vignon est au box. Logan Joyeux, Davitier et Leclerc, je me demande pourquoi Nicolas Paillez souhaiterait tant que ça refaire un chrono. À part user ses pneus, il n'a rien à gagner, ses adversaires sont out, il ne le sait peut-être pas. Il n'a pas les informations que nous avons sous les yeux, mais... Il est en train de pulvériser le chrono pour l'instant, avec déjà 3 dixièmes quasiment dans le premier secteur de cette piste de Spa. Il est en travers partout avec la Ferrari. Regardez ça, on voit la fumée s'échapper du diffuseur de l'italienne. Et s'il veut sa pole, on ne veut pas que ce sonne un fifrelin. Il la veut de manière autoritaire, Nicolas Paillez. Et attention parce que la deuxième moitié du championnat pourrait encore se renverser. Et si Anthony Hens n'est pas à son affaire, elle est catastrophique, il est deuxième, mais... Ça pourrait changer la donne si cela continue de la sorte. Paillez au raccordement maintenant. Que l'on appelle maintenant la nouvelle portion depuis 83. Année où le Grand Prix de Belgique est revenu à Spa-Francorchamps après l'épisode Zolder. Où l'on a notamment perdu Gilles Villeneuve. Et David L'Espèce qui rentre le troisième chrono à l'instant. En 2.10.567, ça n'était donc pas terminé. Allez, Nicolas Paillez va-t-il réussir à améliorer sa pole position qui est pour l'instant de 2.10.202. Et ça semble bon pour lui. Maintenant, plus personne ne pourra aller le chercher. Bien voilà, fin de la séance qualificative de ce soir avec donc la pole pour Nicolas Paillez devant Anthony Hans. Très beau résultat de la part de Nicolas Paillez qu'on va retrouver d'ici quelques instants en interview. Restez avec nous, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à parler et à discuter sur le chat, on répondra à toutes vos questions. D'ici quelques instants, place au warm-up, mais avant l'interview du Poleman, à tout de suite. Roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be in love. Voilà, on se
On se retrouve en compagnie de Nicolas Payès pour la fameuse interview post-qualification, alors que je perds ma gorge navrée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors on te retrouve donc une pole position, tu as donné le pion à toutes les BMW qui auraient parié qu'une Ferrari partirait en tête, toi je l'espère. Raconte-nous comment tu as vécu cette séance qualificative dont tu es sorti vainqueur avec la pole position. Disons que c'était pas, on va dire, pas tellement compliqué en fait d'arriver à faire ce genre de chrono parce que je me suis quand même pas mal entraîné en fait, notamment avec Anto, avec Anthony, on s'était pas mal entraîné déjà et je savais que je pouvais faire ce type de chrono là, mais par contre Anto, je pensais qu'il pouvait faire un petit peu plus. Voilà. Donc, mais sinon, bon, la voiture se comporte bien. Après, ma foi, on verra bien en course. Hein. On verra si les pneus vont tenir parce que les gommes, on les use quand même pas mal. Donc les softs, ça sera négatif pour cette course-là. Ça va être gomme moyen ou dur. Et puis, wait and see, hein. On verra bien. Alors justement, tu disais qu'Anthony, tu espérais un peu mieux de sa part, ou en tout cas d'autres choses. On a vu qu'Anthony n'est pas à son affaire déjà au Canada. C'était pas son week-end, ça c'est clair. Et ici, on s'est dit, bon, c'est pas Francorchamps, c'est son jardin, il connaît par cœur, il va un petit peu être détendu. Mais non, tu es devant. Donc finalement, il y a peut-être pas le doute qui s'installe, mais il n'est plus seul dans la lutte. Et vous êtes maintenant deux sur peut-être trois, si on compte David également, à vous battre devant. Donc c'est une bonne surprise pour nous, spectateurs neutres, hein, on va dire ça comme ça. Mais. Est-ce que tu penses que, justement, tu parlais de la gestion des pneumatiques, est-ce que la BMW, de par sa souplesse, on a vu beaucoup de Ferrari qui étaient à la limite de décrocher véritablement dans le double gauche ou d'autres virages, est-ce que tu penses que sur la longueur de cette course, donc 90 minutes, pardon, les BMW auront un avantage de comportement ou d'usure par rapport à la Ferrari ? Un avantage, je pense pas. Je pense que, après, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle risque plutôt d'être désavantagée du fait qu'en fait le moteur est à l'avant, donc elle est plus lourde. Et là où on gaspille le plus de gomme, c'est à l'avant. Donc dans les grandes courbes et tout, même si les Ferrari sont un peu plus turbureuses et un peu plus difficilement maîtrisables en sortie de virage parce qu'elles ont moins de grippe, le problème est que la BM, elle a du mal à rentrer. Donc je pense qu'au fil des tours, s'ils attaquent trop, ça risque de poser problème au niveau de la tenue de leur gomme. Donc un avantage pour eux, je sais pas. Je pense que là, il n'y aura pas d'avantage d'inconvénient en fait. Hein. Là, ça va être. Je pense que ça va être kiff-kiff. Là où la BM a les problèmes, nous on l'a pas. Et là où on a le problème, nous, la BM l'ont pas. Donc on verra. C'est un peu la particularité de cette piste de Spa. Un secteur 1 et 3 très rapide et très, très moteur, comme on dit. Et un secteur 2 où là, c'est plus sinueux, il faut de l'appui, etc. Donc, voilà. Est-ce que sur le calcul des 90 minutes, ça fera le café? On verra ça. En tout cas, on a hâte de voir le départ. Merci Nicolas. Avec plaisir. Et on te laisse retourner dans ton channel TeamSpeak et on te souhaite bonne chance pour la course. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Allez, on va se retrouver d'ici quelques instants pour vivre le warm-up. A tout de suite.
Et de retour pour vivre ensemble le warm-up de cette manche belge du championnat des GTE Series. Un bref rappel de ce qui s'est passé il y a quelques minutes avec la séance qualificative, pardon, avec donc la pole position pour Nicolas Paillès, le pilote Ferrari que vous venez d'entendre au micro d'après qualification. Et donc à l'issue de la Super Pole, il est sorti vainqueur avec un temps de 2:10.202 devant Anthony Jans qui partira à ses côtés sur la première ligne de la grille de départ en 2:10.214. Donc ça a été assez serré. Suivent David Espèce, Simon Pérard, Julien Rosé, la deuxième Ferrari, celle d'Olivier Vignon, et ensuite Logan Jurieux, Davity, Leclerc et Gilles Châtelain. Voilà, c'était les 10 pilotes qui étaient en Q2, donc en Super Pole. Cette dernière séance vient de se terminer. On a un drapeau jaune dans le premier secteur et il s'agit d'Olivier Vignon qui vient de faire un petit échappe. Tiens, 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 c'est pas très toléré. Au passage, un petit rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la direction de course ce soir a autorisé 3 zones de coupage, c'est-à-dire que vous pouvez passer avec les 4 roues de votre voiture au-delà et des lignes blanches qui délimitent cette piste de Spa, avec tout d'abord le raidillon, le pied, le virage de l'eau rouge, techniquement, qui n'est pas le raidillon. Ensuite le speaker's corner qui est après l'épingle de Bruxelles, là pour mettre 2 roues sur les vibreurs et 2 roues sur l'astroturf, mais pas 4 roues sur l'astroturf, cette herbe synthétique qui jonche le bord des pistes modernes. Et enfin, même condition pour le virage Paul Frère qui précède celui du raccordement. Fin du warm-up, il reste 1 minute 45, vous voyez pour l'instant c'est Olivier Vignon qui sort avec le meilleur devant. Simon Pirard, Logan Joyeux, Sébastien Garcia et William Legrand, que l'on voit à la dérive et qui va les taper en haut du raidillon. Et bien voilà, premier crash dans le raidillon de la soirée, drapeau jaune. Oh, et c'était sorti large pour une BMW. Je crois que c'est Logan Joyeux. Et bien voilà, le premier crash de la soirée dans le raidillon. Il était à mettre au titre de William Legrand. Ben, vous voyez qu'on teste les dernières limites des voitures avec le poids. C'est à ça aussi que sert le warm-up. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Oh, et bien voilà, Simon Pirard qui est allé rectifier la voiture. Et Logan Joyeux également, décidément. Ils sont tous à la sortie, pas des écoles, mais de pistes. Navré, on n'avait pas rééquilibré le son. J'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Navré pour cela. Effectivement, il y avait beaucoup de choses à gérer. Je disais donc qu'il y avait donc 3 zones de coupage que vous avez vues en image où on peut passer les 4 roues au-delà des limites de la piste. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on n'avait pas encore vu d'accident à l'heure actuelle. Et le premier, c'est donc pour William Lagrange qui sortira, lui, le 16e chrono à l'issue de la Q1 et donc partira en avant-dernière ligne de cette grille de départ. Oh là là, on cherche encore les limites, vous voyez Sébastien Garcia. C'est parfois compliqué. Allez, Wilson, justement. Wilson Lagrange, le voici. Ce n'est pas lui qui est allé taper dans le raidillon, c'était Wilson Lagrange. Il y a deux noms sur les voitures, donc je ne sais finalement plus à quel sein me vouer. Parce qu'avec l'update, il y a peut-être eu et des petits doublons. Bref, la Porsche sera réparée, ne vous inquiétez pas. Voilà pour ce warm-up. L'ensemble des pilotes vont tenter en tout cas de rejoindre la pit lane et on va pouvoir d'ici quelques instants procéder à la mise en grille de tout le monde. Restez avec nous, ça se passe dans quelques secondes. À tout de suite. We'll be right back.
Et voilà que désormais on illustre les week-ends de la FFSA avec les génériques des KTP. Bref, pas de Minecraft au programme ce soir, mais bien de la course automobile avec, vous le voyez, la sortie des premières voitures lors de cette pré-grille. Et le premier en bout de piste serait-ce Nicolas Paillès ? Je pense que oui, à moins que quelqu'un ne l'ait précédé. Non, voilà, et le feu passe au vert d'ici quelques secondes et la procédure est lancée. Voilà, et les pilotes peuvent désormais donc effectuer le nombre de tours qu'ils veulent, tout simplement, jusqu'à ce que le chrono soit à zéro. Et à ce moment-là, ils doivent être placés sur la grille de départ, donc pour la formation du tour de formation, Captain Obvious. Et ensuite, eh bien, on partira en départ lancé. Pas de départ arrêté avec ces GTE, ce serait tout simplement du suicide. Alors, pour ceux qui veulent connaître effectivement la grille de départ, elle est sur la gauche, en haut à gauche de votre écran. C'est le classement final de cette grille de départ, mais on la passera en revue, quoi qu'il arrive, au moment du tour de formation, qui aura lieu dans maintenant moins de 5 minutes 30. Vous l'avez entendu lors de l'interview du Poleman, ça risque d'être compliqué. Ça l'est d'ailleurs pour Simon Pirard qui allait faire une petite escapade entre les gendarmes couchés. C'est comme ça que l'on appelle ces boudins que l'on place en bord de piste pour éviter les coupages intempestifs des pilotes et les dissuader de passer tout droit. Olivier Vignon qui semble pressé, attention, ce serait dommage d'aller chiffonner les voitures alors que l'on va se mettre en grille de départ. Il y a pas mal de modèles de voitures différents. On regrette l'absence de la Viper qui était absolument monstrueuse. On rappelle également que les pilotes peuvent à volonté choisir le bolide qu'ils utiliseront pour le championnat. C'est pour cela que il était à un moment évoqué par le Team Spirit Racing de switcher de la BMW Z4 à la M6 GTE. Mais ça n'a finalement pas eu lieu. Mais l'année prochaine, il y aura un nouveau championnat qui débutera à la FFLCR. On vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil. Ce sera du GT3 plutôt que du GTE, des voitures beaucoup plus simples, si on peut dire, à piloter et à mettre au point, ce qui devrait attirer un plus grand nombre de pilotes. Et ainsi, le calendrier 2017 devrait être fourni de pas mal de courses exotiques. On sortirait un petit peu des sentiers battus. Les courses pourraient passer d'1h30 à 1h. Le départ pourrait être également avancé. Donc beaucoup de choses sont en discussion. Rien n'est acté pour l'heure. Le classement et le calendrier et la réglementation est toujours à l'heure actuelle en cours de réalisation par les organisateurs, dont font partie notamment Tony Hans et Simon Pirard, qui s'occupe également de la Porsche Super Cup. Porsche Super Cup que vous retrouverez ce 5 octobre en direct depuis cette même piste de Spa-Francorchamps, puisque les manches spadoises et de Monza ont été inversées pour diverses raisons. Au passage d'ailleurs, vous noterez que le circuit utilisé ce soir est particulièrement réussi. Il est tout simplement la conversion de celui qui a été laser scanné pour Assetto Corsa. La grille est justement en train de se former. Il nous reste plus de 3 minutes avant l'extinction, sur l'extinction des feux. C'était un petit peu compliqué là. On voit Nicolas Paillès, premier pilote à avoir rejoint son emplacement une fois le feu vert présenté en bout de pit lane. On attend Tony Hans qui devrait arriver. Le voici. Deuxième. Vous voyez que c'est compliqué de prendre le temps de faire un tour et puis rentrer et puis ressortir et arriver en temps sur la grille. Pas lancé, on ne peut pas faire machine arrière. On va être en avance sur le programme, formidable. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps. Salut à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Alors pourquoi Ludovic Breton n'a pas de numéro? Alors pour l'instant, aucune idée. Peut-être que c'est une invitation de dernière minute. Je crois surtout que la voiture de Ludovic Breton n'a pas de skin précis, ce qui expliquerait le petit bazar. Hein. Mais le numéro de sa voiture, on veut peut-être le trouver. Alors on va repasser à l'ancienne, comme on dit, non?
On ne peut pas le voir. On a un 38 qui est aperçu sous le feu arrière droit. M'étonnerait que ça soit son numéro. Alors il faudra guetter la remontée de cette voiture, celle de David Delasalle qui avait terminé, je crois, dans le tour du 8 ou 9e rang lors de la manche du Canada. Donc il faudra être attentif à la moins bien classée des BMW. Il ne reste que deux voitures, dont Mathieu Leclerc qui avait réussi in extremis à se placer en Super Pole, en Q2, mettant dehors Thomas Pinotto, l'autre Aston Martin. Et d'ici une minute, le départ de cette course de Spa-Francorchamps. Voilà, on est placé pour Mathieu Leclerc. Je crois qu'il ne manque quasiment plus personne sur cette grille. Les klaxons sont autorisés, vous les entendez d'ailleurs, voilà. Les pilotes sont en train de dire que coucou, coucou maman, voilà. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc on sera 18 ce soir pour cette manche. Hâte de voir comment tout cela va se passer. 20 secondes avant le début du tour de formation, l'occasion... Eh bien, de vous présenter cette grille de départ. Vous demandez le lien vers le live timing. Le voici. Sur le chat, vous pourrez ainsi suivre chacun des pilotes à votre guise. Voilà, c'est désormais feu vert ici à Spa-Francorchamps. Début du tour de formation. Allez, c'est parti. Sous le commandement de Nicolas Paillès. J'espère qu'il n'aura pas... problème de drive-through pour avoir accéléré avant le délai des 4 secondes. Et vous voyez qu'on va se laisser de l'espace. On va commencer à mettre en température cette voiture drapeau vert, vous le voyez, agitée par les commissaires autour de cette piste de Spa-Francorchamps. Le classement du départ de cette manche avec donc Nicolas Paillès qui part, vous le voyez, en pole position ce soir avec un chrono de 2 minutes 10, 202. La deuxième place pour Anthony Hans sur son terrain, dans son jardin, Spa-Francorchamps. En 2 10, 214. On est à 1 centième d'écart pour la pole. C'est plutôt joli. La troisième place pour le vainqueur de la dernière course en date au Canada. C'est David Lespès qui avait subi les assauts de la Ferrari et du Coleman. Rappelez-vous, c'est disponible sur la chaîne YouTube. Max Soul pilote, David Lespès qui part donc 3e aux côtés de la deuxième voiture du Team Spirit Racing. La BMW de Simon Pirard qui revient et qui doit marquer de gros points pour faire un bon classement. Il est aux alentours du 20e rang alors que Paul Fillon derrière est allé au large. Attention, pas presque un tour de formation. Julien Rosé 5e avec une autre BMW décidément. Olivier Vignon 2e, Ferrari à tenir à l'œil. Il avait fait un podium lors de la manche de Montréal. On suit ensuite Logan Joyeux 7e, 8e la Corvette de Gilles Châtelain. La belle américaine qui devancera Cyril Davidi et sa BMW du team Seca Racing. La très jolie Aston Martin de Mathieu Leclerc qui termine la 10e place, la séance qualificative en 2.15-160. Et ensuite les pilotes qui ont été éliminés en Q1. Thomas Pinotto, 11e temps. William Legrand, c'est bien lui qui était dans le réunion, pardon, pas Wilson Lagrange, navré pour cette petite coquille tout à l'heure. Et donc William Legrand qui partira 12e avec une livrée plutôt élaborée au sponsor assez original. Et derrière Sébastien Garcia, 13e, 14e place donc pour Paul Fillon qu'on a vu aller mettre deux roues dans l'herbe, hein, du côté de la montée de Kemmel. Attention, attention au départ parce que la source, ça peut être source de problèmes. Laurent Bougazzi partira quant à lui au 15e rang de cette grille départ devant. La voiture plutôt jolie également de Wilson Lagrange que l'on avait faussement emmené dans le mur du Rédillon tout à l'heure. La seconde Corvette, celle de Ludovic Breton, dont le numéro 38 est désormais affiché. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. David Delasalle partira avant-dernier, 18e. Partira dernier, pardon, 18e. Les pilotes sont en train de se remettre tout doucement sur leur position. C'est également l'occasion pour vous de faire vos premiers pronostics ce soir sur ce qui se passera au moment de l'extinction des feux. Qui va virer en tête à la source? Qui sera en tête en haut du Rédillon? La réponse d'ici et quelques secondes. Les pilotes sont rangés à l'ordre du starter évidemment.
On va être sous les l'heure 30 de compétition normalement, mais bon, c'est du timing assez aléatoire. On est parti avec 1h30 parfaitement au Canada. Ici, on aura perdu peut-être 35-40 secondes sur le timing, mais ce n'est pas grave. À vos pronostics, donc, une grille de 18 pilotes ici à Spa-Francorchamps pour la manche belge de ce championnat avant de partir du côté de Monza, une autre piste très rapide. Les Ferrari qui devront faire face au BMW, les pneus avant face aux pneus arrière les plus délicats. Les pilotes vont sortir de la chicane du bus stop. Attention, reste aux commandes. Leader Rose, c'est parti très vite, on doit se reformer. Attention, dernière limite pour lancer la course. C'est fait. Oh, attention derrière, c'est déjà très serré avec Logan Joyeux. Au moment... Oh, et le contact et l'accident, et Logan Joyeux qui est emmené en tête à queue. Il y a Thomas Pinotto également qui est impliqué. Il y a une Aston Martin. Et Julien Rosé emmené en tête à queue. Et malheureusement, c'est Logan Joyeux qui fait les frais d'un départ à la source. Toujours très compliqué en tête. Ça passe au le tête à queue, incroyable. Nicolas Paillès dans le mur. Incroyable, la Ferrari dans le mur, aurait dit à peine le départ, premier tour ici, et Nicolas Paillès dans le mur, incroyable, le poleman qui s'est fait surprendre. Alors est-ce qu'il peut repartir? Incroyable ce qui s'est passé. Et en tête, David Lespès, Anthony Hans, où est-il? Oh, il y a encore du grabuge au niveau des combes. Et Anthony Hans n'est plus là, semble-t-il. Et Anthony Hans qui n'est plus sur notre classement. Et Anthony Hans qui n'a pas passé le deuxième secteur, tout comme Ludovic Breton. Et il s'en est passé des choses. Le voilà, Anthony Hans, il est 9e. On l'avait perdu dans notre classement. Il est déjà à l'attaque sur la Porsche qui subit. Oh, de grosses attaques là. William Legrand qui se fait dépasser de tous les côtés. C'est David Lespès qui se retrouve au commandement. Et la Ferrari d'Olivier Vignon est 3e. Incroyable départ. Incroyable départ avec donc Nicolas Paillès qui s'est fait pousser peut-être par Anthony Hans, on ne sait pas. Il y avait aspiration de la BMW, mais y a-t-il eu push derrière? C'est très chaud de la salle qui remonte au freinage du pif paf. Ouais, Logan Joyeux également, oh, qui va au chausse-pied et qui en profite, Thomas Pinotto bien sûr, pour s'infiltrer. L'abandon de Nicolas Paillès, quelle catastrophe pour lui au championnat. Et David Lespès qui est en train de tirer les marrons du feu avec seulement même pas un tour de couvert ici à Spa. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on aurait droit à une safety car? Pour l'instant, rien de tout cela. David Lespès au commandement donc à l'issue du premier tour devant Simon Pirard qui pourrait également faire une très bonne affaire. Au championnat, et David Lespès, meilleur tour en course évidemment. Troisième place pour Olivier Vignon. David Ty 4e et Anthony Hans qui est déjà en train de remonter avec l'Aston Martin de Mathieu Leclerc. Attention au niveau de la source là. Les deux voitures sont à la bagarre, mais qu'est-ce que c'était serré ce départ. Qu'est-ce que c'était serré l'accident à la source avec Logan Joyeux pris en tête à queue. And we've got some feedback from the chat, of course. Maybe some... draft from the Ferrari for the BMW. Effectivement, on parle de draft d'aspiration qui aurait été trop forte, alors que derrière c'est très serré avec Laurent Bougasi sur Paul Fillot à l'extérieur dans la montée du Kemmel. Oh, il y a de la bagarre à tous les niveaux ici. Oh, le contact, attention, de nouveau le contact et l'accident, et Paul Fillot dans le mur. La BMW dans les Armco, freinage des combes. Incroyable, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé ce soir, les pilotes du GTE Series. Et Paul Fillot qui peut repartir, mais la voiture est blessée, quel dommage. Ah là, les freinages ont été plus que limite au niveau des combes. Et de la salle 13e va voir remonter. Et bien les BMW qui souffrent, Logan Joyeux évidemment en train de boxer. Il a perdu beaucoup de choses, notamment le capot. Nicolas Paillès à l'abandon, devant ça ne bouge pas. Anthony Hans est 5e, pas de drapeau jaune sur cette piste de Spa, mais... et des rebondissements en cascade. Eh bien, Logan Joyeux repart. Il est 17e. Alors, à moins d'une safety car, le week-end est terminé pour Logan Joyeux. Mais bon, avec tout ce qui se passe, il faudra rester en piste, je pense, longtemps pour être victorieux. Il va d'abord falloir survivre, je pense, ici à Spa. Heureusement qu'il ne pleut pas, dites-moi, ça aurait été un carnage total. David Lespès au commandement toujours de ce week-end de Spadois. Simon Pirard, deuxième, belle opération pour lui qui avait manqué quelques courses cette saison et qui n'y a eu
surtout un gros manque de chance. Olivier Vignon, troisième, qui a donc réussi à prendre un excellent départ. Et donc David Lespès qui est parti pour dérouler, comme on dit. Anthony Hans à l'assaut pour la quatrième place. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la porte du côté de Cyril Davitti parce qu'il ne pensait pas se retrouver à pareil fait? Le pilote du CK Racing qui va laisser peut-être passer Anthony Hans. Et c'est fait. Bon, et de manière autoritaire. La Davitti qui n'a rien pu faire. Le retour avec Hans. Alors qu'on va attaquer la descente vers le rouge avant le Rédillon. Oh, Paul Fillon qui est en train de rentrer au box. Effectivement, après son contact. Donc, course amputée, mais qui n'est pas terminée. Donc, on vous l'avait dit. On parlait plutôt eh bien, du Rédillon qui était assez particulier. Si vous souhaitez avoir les vitesses maximum des voitures, rien de plus simple, vous avez un petit speed trap qui s'affiche, voilà, en bas à gauche, 279 km/h au radar en haut des combles, rendez-vous compte, on a quasiment 280. Oh, il y a une voiture qui est au ralenti, ce serait pas Simon Pirard. Simon Pirard qui est au ralenti alors qu'il était deuxième, qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas vu. Oh, et Simon Pirard qui a dû laisser passer Anthony Hans, pensez-vous déjà pour le championnat? C'est pas impossible, ce n'est pas impossible. Du côté du team Spirit Racing, on sait que eh bien, Simon Pirard n'est pas forcément le mieux placé au classement et que c'est Anthony Hans qui a besoin de points. Donc peut-être avoir un certain intérêt à laisser passer son chef de file, ce qu'il a fait sans coup férir. Il a même ralenti beaucoup là, c'est plus de la consigne de course, là c'est vraiment du tiens la porte, je te l'ouvre, passe. Il n'y a plus qu'à s'infiltrer. Bon, au niveau des voitures qui terminent ce classement. Et Paul Fillon qui repart juste sous le nez de Logan Jurieu qui lui est lancé. Alors attention, il va peut-être pouvoir passer. Là, on se bat pour la 16e place, rendez-vous compte. À l'aspiration, on va rester avec les deux. Ils se battent, pourquoi pas. En tout cas, c'était très serré. Simon Pirard qui avait réalisé, rendez-vous compte, le meilleur premier secteur absolu. En 39 secondes 238 contre 39 secondes 4, 5 pour les autres. Et qui se retrouve avec 1 minute 7 secondes. 7 secondes de retard dans le deuxième secteur. Donc Simon Pirard qui a dû commettre une faute. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Oh, est-ce qu'on n'était pas en train de la perdre? J'ai cru qu'on la perdait du côté de Logan Joyeux. J'étais un petit peu inquiet. C'est un effet de dévantage classique. En tout cas, bah, devant, ça ne bouge plus. Tant que ça, avec Julien Rosé maintenant, on monte le son, on apprécie la vue embarquée depuis la BMW. Et c'était serré dans ce Rédillon entre les deux, c'est pas terminé la bagarre. Julien Rosé qui peut se blottir à l'arrière de la belle américaine. Dans la montée du Kemmel maintenant. L'attaque peut-être au freinage. La BM qui freine mieux. Et la Corvette qui est battue. Allez, c'était quelques instants à bord de la belle américaine. Retour en tête de course avec donc désormais David Lespès au commandement. Devant donc Olivier Vignon, désormais deuxième. Et Anthony Hans, troisième. Depuis que Simon Pirard lui a laissé la troisième marche du podium. Provisoire parce que Hans remonte très très fort. Au niveau des gommes, on est monté en médium du côté des deux BMW de chez Team Spirit Racing. Sébastien Garcia, 7ème, drapeau jaune dans le 3ème secteur. C'est un secteur très rapide. Simplement un pilote qui était allé au-delà des limites de la piste, je pense. Hans qui inscrit le meilleur tour en course avec
à 2.13.493 pour l'heure. Drapeau jaune dans le premier secteur. Et oui. Oh, et Cyril Davidi qui s'est malheureusement raté. Drapeau jaune dans le troisième secteur. C'est David de la Salle qui s'est également fourvoyé dans la chicane du bus stop. Attention pour Cyril Davidi, peut-être un problème. Non, ça semble de retour pour Davidi. Devant Simon Pirard. Commence à décrocher d'Anthony Hahn, c'est devant. Les secondes commencent à augmenter pour David Lespès. Alors on a vu qu'au niveau des pneumatiques, on a entendu le malheureux Poleman nous dire que malheureusement il ne pouvait pas faire grand chose avec sa voiture et les pneumatiques. Et le duel Ferrari BMW aura lieu, mais pas avec les voitures qu'on espérait. Malheureusement, avec, donc on rappelle, l'abandon dès le premier virage vrai de ce circuit de Spa-Francorchamps, le Raidillon. Nicolas Payès qui a été peut-être poussé, en tout cas déventé, il a perdu l'arrière de la voiture dans le Raidillon. Et ça a été un très spectaculaire accident qui a contraint le pilote Ferrari à se retirer, tout simplement. Et on salue les viewers anglophone sur le chat, and a quick hello to the people who speak English on the chat. It's not usual for us to have an English speaking audience, but you're welcome, of course. You can follow the championship on this Twitch channel, but of course the stream will be in French for the massive French audience, obviously, and for the replay, the VOD, available on YouTube, also on the description on down below under the stream and live on Twitch. So thanks for being here with us on this round of the GTE series by FFSCA, the French Community Championship. You can also register if you want to be in this championship. It's also possible before the next season with the brand new GT3 championship based on the Blancpain Endurance series, real championship on the Syntec mode, also modified for the next year, and also a good battle and good fight, as you can see on the screen. So, thanks guys. Voilà, ça c'était le petit message pour nos amis britanniques. Alors, on est plus de 60-70 viewers. Écoutez, voilà. C'est pas la folie, mais quand même, vous êtes là. Donc, s'il y a quelques anglophones dans le tas et qui nous font un peu de pub. On salue d'ailleurs le compte officiel de Air Factor 2 qui nous a retweeté le live en début de diffusion. C'est toujours quelque chose d'agréable. On a déjà été hosté par différents développeurs, etc. Donc c'est un petit geste que l'on apprécie malgré tout. Par contre, il y a vraiment un gros problème pour Simon Pirard puisqu'il est arrêté au stand. Donc peut-être un plat tout simplement au moment de son erreur, puisqu'on savait que les plats sont simulés. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous passez de temps en temps sur le direct. Il reste 1h15 dans cette manche spadoise du championnat des GTE Series by FFSCA. Et donc Simon Pirard qui repart au 15e rang devant. Eh bien, Olivier Vignon reste au contact à moins de 4 secondes. Ça varie entre 3 secondes 5 et 4 secondes selon le secteur. On sait que la Ferrari est plus à l'aise dans les secteurs lents, le deuxième en l'occurrence. Tony Hans, par contre, lui, est en train de bombarder, comme on dit dans le métier. Ça attaque très très fort. Pardon. Ça attaque, non, c'est un championnat. Ça attaque très très fort pour Anthony Hans. Donc, sur le podium, après un départ, on va dire compliqué. Mathieu Leclerc, quatrième avec l'Aston Martin. Rendez-vous compte, le garçon partait dixième sur cette grille de départ. Et il se retrouve désormais quatrième au classement général avec, certes, l'arrêt de Simon Pirard, mais on voit que les Aston Martin se débrouillent plutôt bien. Lutte avec Sébastien Garcia, 6ème également, bien placé. Vous voyez que ça bouge beaucoup dans ce classement. Et oui, le classement a l'air très différent de d'habitude, comme on nous dit sur le chat. Drapeau jaune dans le premier secteur. Oh, et Olivier Vignon qui a craché la Ferrari en haut du Raidillon. Eh bien, il y a un problème, si vous voulez mon avis, sur ces voitures, puisque les Ferrari ne tiennent pas
Oui, drapeau jaune également dans le troisième secteur et c'est fini. Et les deux Ferrari les plus véloces ce soir sont au tapis. Oh, une BMW également. Ça a tapé du côté de Blanchimon et c'est David de la Salle qui partait 15e. Il y a des voitures partout dans le mur. Alors attention, c'est une période peut-être délicate avec les pneumatiques, mais là, deux gros crashs qui viennent de survenir sur coup. Et attention, ça glisse beaucoup également pour la voiture de Mathieu Leclerc dans le gravier. Est-ce qu'il peut la sauver? Oui, in extremis, mais Julien Rosé qui va attaquer au freinage de Bruxelles. Attention, passe des choses depuis quelques secondes sur cette piste de Spa. Et les pneus sont tout simplement peut-être en train de lâcher à la surprise de certains pilotes. Et, oh oui, voilà. Et bien voilà, c'est le mur. Oh, Cyril. Alors Ludovic Breton qui nous a fait une manœuvre in extremis. Et je pense en fait que celui qui a fait le coup, c'est Simon Pirard qui est rentré changer ses pneumatiques juste avant la chute de performance et la perte d'adhérence. En tout cas, c'est Olivier Vignon qui rejoint le banc, non pas des accusés, mais le banc des abandons ce soir. Et il y en a déjà eu et de manière très spectaculaire ce soir. Ça fait beaucoup, 1h14, c'est déjà une hécatombe sur cette piste. Tiens, on vient de l'écrire sur le chat au passage. Effectivement, c'est l'hécatombe à 1h15 de l'arrivée, un quart d'heure, même pas de compétition. Et on a déjà perdu trois grands pilotes de ce championnat. Nicolas Payès, le poleman, Olivier Vignon qui était troisième. Et on avait dit que les pneumatiques allaient poser problème. Alors on va rester attentif à deux secteurs importants. Le Raidillon et celui de Blanchimon, drapeau vert. Également à Blanchimon, donc oui, bien Mathieu Leclerc qui est sous la pression de Sébastien Garcia. Alors ce sont des pilotes qui n'ont effectivement pas l'habitude d'être à pareil fait dans le classement, donc il faut être très vigilant de ne pas surpiloter, de ne pas s'énerver et ainsi perdre du temps et des performances. En tout cas, je pense que c'est bel et bien une chute de pneumatique à laquelle nous assistons ici. Et regardez, ça bloque encore pour l'Aston Martin qui est très lourde, qui a moteur à l'avant en plus. Donc c'est quelque chose de très compliqué, mais sincèrement, ça a été à la limite qu'il l'a récupéré à la sortie du S des combes, notre ami Mathieu Leclerc à bord de la voiture de Sébastien Garcia en haut du Raidillon. Ça tient, ça passe, on avait l'impression d'être au Nürburgring, on a une course à élimination. Là c'est assez spécial ce qui est en train de se passer avec de gros abandons. Oh, attention, ça commence à glisser aussi pour David Despèce. Anthony Yann se récupère la tête de cette manière. En tout cas, c'est très compliqué. Voilà, pour Mathieu Leclerc, on avait dit que au niveau du S des combes, ça allait être difficile. On est avec Sébastien Garcia qui ne doit pas s'énerver. Si Leclerc ne rentre pas, il va finir par passer cette Aston Martin. Quoi qu'il arrive, elle est au bout de son train de pneus. Et on dit déjà sur le chat, au niveau des pronostics, que Yann pourrait l'emporter. Et David Lespèce qui maîtrise bien. Hein. Il a l'habitude de résister à la pression. Mais c'est vrai que là, perdre les deux Ferrari coup sur coup en haut du Raidillon, c'est quelque chose d'assez spécial. Et pour l'instant, c'est Sébastien Garcia qui a la Ferrari. Elle l'a mieux placée, il n'en reste plus tant que ça malheureusement. On va bientôt assister à une coupe BMW ici à Spa. Et regardez les trains arrière des voitures qui est soumis à beaucoup de pression sur les Ferrari. Le train avant avec le moteur pour les BMW. En tout cas, c'est quelque chose d'assez mouvementé auquel on assiste ce soir à Spa. Si vous avez choisi de nous rejoindre, vous avez bien fait. Si vous n'êtes pas là jusqu'au soir, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la VOD disponible dès demain. Oh, de nouveau très compliqué pour Mathieu Leclerc. On embarque avec l'Aston Martin pour qui ça glisse beaucoup. Écoutez, montez le son. Sébastien Garcia, vous l'avez entendu et vu, qui poursuit avec une Ferrari très délicate à piloter. Derrière, pas d'arrêt au stand. Pour l'instant, on vérifie toujours les pilotes les plus rapides. Oh, il va la perdre aussi. Davici qui percute le mur au pied du Raidillon. Drapeau jaune dans le troisième secteur. La BMW chiffonnée qui va repartir, mais il y a un pare-choc sur la piste. Et Cyril Davici qui glisse. Alors, on réajuste un petit peu le micro de l'autre côté parce qu'il a un petit peu glissé. En tout cas, Cyril Davity qui se retrouve avec une voiture chiffonnée et surtout derrière, Laurent Bougasi, 8e, qui continue à bien profiter. La Porsche de William Legrand également. Oh, attention, ce Raidillon qui a déjà fait beaucoup de victimes. On reste avec Mathieu Leclerc qui est en train de mettre autant de gomme sur cette piste de Spa qu'un collégien
en pleine dictée avec le brouillon au crayon au cas où, hein, c'est toujours repassé. Là, on a l'impression qu'il passe à travers sa feuille avec la gomme. Hein, c'est chaud, hein. En tout cas, une course qui pour l'instant tient toutes ses promesses. On n'est même pas au tiers de l'épreuve, rendez-vous compte. Et je pense que Mathieu Leclerc va finir malheureusement par la perdre s'il n'opte pas pour un arrêt au box. Il faut savoir combien de tours il doit tenir. Et Anthony Hans qui se retrouve deuxième. Oh là là, oh là oui, il est en train de ruiner notre arrière totalement de cette Aston Martin malheureusement. Allez, Nicolas qui arrive sur le chat, effectivement, malheureusement. Alors, la question, y a-t-il eu contact avec la BMW ou pas? On a Nicolas Payès hein, qui vient d'arriver sur notre chat, donc on aimerait bien avoir un petit mot, en tout cas, de sa part, voir ce qu'il a ressenti au moment où la Ferrari a décroché. Mais ensuite, on a vu l'accident d'Olivier Vignon, notamment. Donc, ça reste quelque chose de très délicat, les Ferrari, sur ce tracé. Et voilà, il a tout simplement perdu l'arrière avec les pneus froids. Donc, il n'y avait pas de push de la part de la BMW. On avait eu un petit peu peur, sincèrement, que Anthony Hahn ait quelque chose à voir là-dedans. Mais il n'en est rien, donc c'est bien les pneus froids qui ont surpris la Ferrari. Si vous étiez aux 24 heures de Spa-Francorchamps en 2012, rappelez-vous de cette Ferrari partie en pole, si je ne dis pas de bêtises, ou du moins en première ligne, qui au premier départ des 24 heures en haut du radio était partie en tête à queue et avait été évitée par près de 60 bolides. Je vous invite à aller checker ça sur YouTube, c'était un des grands moments des dernières éditions des 24 heures de Spa-Francorchamps. En tout cas, pour l'heure, le pied de podium pour Mathieu Leclerc, qui partait, on vous le rappelle, aux alentours de la 10e place. Et voilà, c'est assez délicat. Vous le voyez, et approximatif. Alors, la tête pour David Lespèce qui semble bien accroché. Anthony Hans qui remonte petit à petit. Le tour le plus rapide est toujours à mettre à l'actif de David Lespèce en 2.13.349. C'est ce que l'on peut lire sur nos écrans. Laurent Bougazzi qui est passé devant Cyril Davitti qui était parvenu à garder la Ferrari derrière lui. Mais c'est désormais au box que l'aventure se poursuit pour le pilote BMW. Allez, on va pouvoir repartir pour Cyril Davitti. Après, qui est très très long, on voit passer sur la droite, vous ne le voyez peut-être pas tout en haut de l'image. Voilà, Logan Joyeux. Il reste Ludovic Breton, 14e, et Paul Fillot. Et la longue liste des pilotes ayant abandonné, qui est en train de grandir hein, ce soir. Si vous avez fait des pronostics, c'est assez intéressant. Wilson Lagrange avec la Ferrari. Et oui, drapeau jaune dans le premier secteur et Cyril Davitti à peine sorti des box, qui a été surpris par les pneus froids. Ah là là, malheureusement. Cyril Davitti qui abandonne, malheureusement. Nouvel abandon, Cyril Davitti, ils ne sont plus que 14 en piste. Oh là là, et Logan Joyeux qui a également des difficultés. Peut-être en fin de train de pneumatique. Ah malheureusement, que c'est triste. Que c'est triste pour Davitti qui faisait un bon week-end et qui aurait pu faire très très fort au classement. C'est vraiment dommage d'abandonner de la sorte. Navré pour ces passages intempestifs que l'on essaie de limiter. Un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Décidément, il nous lâche pas. Ah, et Ludovic Breton. Alors, deuxième secteur. Là, on doit être du côté du... Je ne sais pas. Deuxième secteur, vous êtes sûr? J'ai l'impression d'être en haut des combes. Alors, oui, c'est le début du deuxième secteur. Donc, ça a touché. Allez, est-ce qu'on peut repartir pour Ludovic Breton après avoir réajusté la quantité de gomme sur les pneus arrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas une crevaison sur cette voiture? Elle semble légèrement affaissée à l'arrière. Et on reste attentif au comportement des différentes voitures. Mathieu Leclerc qui continue à tourner malgré une voiture qui a eu une phase difficile avec les pneumatiques. Il continue d'ailleurs de la voir. Alors tant que ça tient, ça va.
J'espère que ça ne va pas non plus s'aggraver, parce que une faute est tout à fait possible. On a vu qu'au moment où les pneus perdaient leur première gamme de performance, on va dire ça comme ça, eh bien il a été surpris, notamment au niveau des combes, et il a failli tout simplement se mettre dans le mur de pneus, mais il l'a sauvé in extremis. Et Mathieu Leclerc qui fait pour l'instant un excellent week-end après une qualification en Super Pole, il est pour l'instant au pied du podium derrière Julien Rosé. Wilson Lagrange qui est au box avec la Ferrari. Mais c'est toujours difficile de voir effectivement le poleman sorti de la sorte. On avait un peu peur au niveau de la source. Finalement, c'est au niveau de l'eau rouge du Rédillon que le mal s'est passé. Et il va nous rester une heure complète d'épreuve ici à Spa-Francorchamps. Alors, la première demi-heure a été cool, hein, sincèrement. Si vous n'étiez pas avec nous, je vous invite à aller voir le replay dès demain. Sincèrement, il y avait matière à discuter et à disputer ce premier tiers d'épreuve bientôt atteint. Et Sébastien Garcia qui tout doucement refait son retard. Vous le voyez désormais dans la même image que l'Aston Martin. Voilà, tout au bout de l'image, l'Aston Martin et le pied de podium. Donc ça reste possible pour Sébastien Garcia. Drapeau jaune dans le secteur 3. C'est calmé. Gilles Châtelain qui est au box. On revient avec Mathieu Leclerc et son Aston Martin. Simon Pirard qui passe Laurent Bougasi qui doit également être dans la pit lane. Voilà, comme Gilles Châtelain, voilà, le passage toujours très difficile du S des combes pour l'Aston Martin, de nouveau en compagnie de Sébastien Garcia et sa Ferrari. On vous invite à profiter de ce moteur Ferrari et surtout de monter le son. Ça a failli passer, ça a failli passer pour la Ferrari, mais il s'est aussi loupé. On sent qu'ils sont tous les deux sur la fin de leur relais pneumatique. Alors, Sébastien Garcia. Très très proche de l'Aston Martin. Vous voyez de Mathieu Leclerc qui est en train de perdre beaucoup là dans ce dernier tour couvert. Le 13e de cette épreuve déjà ici à Spa-Francorchamps. Évidemment, on pense à un arrêt et des gommes médium pour tout le monde. Ah, ça rentre pour Wilson Lagrange alors qu'il y a un tour de retard, je pense. Et Ludovic Breton également au box. On a vu la Corvette verte stoppée. Et le blocage de roue toujours. Ça doit être, il doit avoir le pneu carré, Mathieu Leclerc. À bord de la Ferrari, donc, de Sébastien Garcia à la chasse d'un pied de podium. Oh, attention, il y avait le mur quand même de la pit lane endurance. Ça passe très très près. Attention à la Ferrari et au dévantage en haut du Rédillon. Il est bien ressorti. Sébastien Garcia, il a un bon run en haut du Rédillon. Respiration, mais ça n'est pas suffisant. Le bloc de l'Aston Martin qui parle encore, mais c'est dans les virages mi-vitesse que c'est compliqué. Bonjour pour de gros points. Rendez-vous compte, ces pilotes qui ont habituellement uniquement eh bien, la lutte pour eux, pour les accessites, pour les points presque. Lors des épreuves habituelles, et bien ici avec la petite hécatombe des leaders à laquelle nous avons assisté, on vous rappelle, hein, les abandons de Nicolas Payès, sorti au Rédillon, David Delassalle, également sorti à Blanchimont, Olivier Vignon, sorti au Rédillon, et Cyril Daviti, accident à la sortie de la pit lane. Ça fait 4 pilotes qui se sont retirés, ils sont encore 14 à courir sur le toboggan Spadway, et la lutte la plus intéressante pour l'instant est celle pour la 4ème place qui oppose l'Aston Martin de Mathieu Leclerc à la Ferrari de Sébastien Garcia, des pilotes qu'on n'a pas l'habitude, je vous le disais donc, de voir à pareil fait.
Oh là là, que c'est serré. On va voir si à la sortie de la chicane du bus stop, Garcia peut faire la différence. Oh, on est sorti large, attention. Pour l'Aston Martin, à ne pas répéter trop ses manœuvres. Il y a des coupages autorisés par la direction de course, mais ils sont limités. Passage au niveau de Blanchimon pour les deux bolides. Freinage du bus stop maintenant. Et vous voyez les traces que laisse. Voilà, je le disais, le bus stop, point faible de cette Aston Martin. De nouveau à bord de la voiture de Garcia. Qui n'a toujours pas trouvé la solution, ceci dit. On va être prudent également au dévantage au réduit. On a vu que depuis le début de la soirée, ça a créé quelques soucis. Et vous voyez qu'à chaque fois, il doit couper la trajectoire de la Ferrari. Mais oh, la repasse La repasser la puissance a été compliquée pour l'Aston Martin. Bastien Garcia, avec qui on va vivre le raidillon maintenant. Allègrement sur les vibreurs, mais c'est autorisé, deux roues pas plus. Effectivement, les circuits bosselés qui ne conviennent pas à cette Ferrari, qui est pourtant très bonne au freinage, mais très rude. On se rappelle des premières épreuves, notamment à Mexico, où la Ferrari donnait une leçon à tout le monde au niveau des freinages. 11 degrés, on a encore perdu un degré depuis le début de la soirée. Et ça y est, ça semble fait. Oh, pas sûr. Garcia qui est à l'intérieur. Et la Ferrari n'est toujours pas passée. Incroyable, la résistance, très belle défense. Pilote de l'Aston Martin, Mathieu Leclerc, qui se retrouve toujours quatrième. Donc, et on a passé, ça y est, le cap du tiers de la course. Ça commence à être délicat également pour Sébastien Garcia. Les deux voitures qui sont désormais à la limite de l'adhérence, on le voit. Le arrière de la Ferrari qui balade un peu plus que tout à l'heure. Et à force d'attaquer et d'être bloqué derrière l'Aston Martin, c'est peut-être la Ferrari qui risque d'être piégée. Mais il faut savoir faire preuve de patience. L'aspiration, peut-être l'attaque à Blanchimon, c'est extrêmement risqué. Ici, on est à plus de 250 km/h. Dans le double gauche qui passe pied à fond. Le double gauche de Blanchimon. Regardez le sous-virage de l'Aston Martin qui est en proie à beaucoup de problèmes d'adhérence. Le freinage de la chicane qui a failli être fatal tout à l'heure à la voiture blanche. Et ça continue, et cette fois-ci c'est bien passé pour l'Aston Martin, puisque la Ferrari commence à avoir des problèmes d'adhérence. Devant, ça ne bouge pas pour l'instant. Ce sont les deux voitures les plus proches sur le circuit. Quelle bagarre il nous offre. Superbe explication entre les deux pilotes. L'un en pneu plus usé à l'avant et l'autre à l'arrière. On cherche à se montrer dans le rétroviseur de l'Aston pour Sébastien Garcia. Allez, en haut du rédillon. 15 tours couverts par le leader David Lespès qui continue à tenir. Anthony Yates en respect et Julien Rosé complète le podium. Pour l'instant, c'est du 100% BMW devant. Et Mathieu Leclerc, qui vous le voyez, bloque intempestivement ses roues. Là, ça y est, ça va passer. Ça y est, c'est fait, Sébastien Garcia. Il est enfin passé devant l'Aston Martin qui n'a pas dit son dernier mot, peut-être au freinage. Oh, s'il y retourne, ça va être très dangereux là de placer deux voitures dans l'épingle de Bruxelles. Regardez comment la Ferrari subit les bosses de la piste de Spa, c'est absolument atroce. Et enfin, la liberté, a-t-on envie de dire, pour Sébastien Garcia. Il se retrouve donc au pied du podium avec une Ferrari bien plus à l'aise. Regardez la différence qu'il met à l'Aston Martin. Et William Legrand est le prochain à revenir sur cette Aston justement. La seule Porsche engagée qui est en train de faire le travail pour l'instant avec une belle sixième place. Thomas Pinotto septième. Simon Pirard huitième après un arrêt au box très tôt dans cette épreuve. Et peut-être un deuxième arrêt et un relais un peu plus tendre. Ça n'est pas impossible. Logan Joyeux 9e également, bien placé après les déboires de début de course. Paul Fillot 11e.
Laurent Bogazzi qui a glissé au 12e rang, tout comme Wilson Lagrange, mais ceux-là ont déjà observé un arrêt au box. Les abandons, on rappelle, donc Cyril Davicchio, Olivier Vignon, David Delassalle et Nicolas Paillès. La tête de course est toujours à mettre à l'actif de David L'Espèce, le leader avec sa BMW depuis. L'explication entre Anthony Yann, c'est l'accident qu'il y a eu pour Nicolas Paillès et la BMW 51 qui pourrait marquer sa deuxième victoire d'affilée ici à Spa-Francorchamps. Mais ne partons pas trop vite, on est à peine passé le tiers de cette épreuve spadoise. Oh, et on passe sous le régime de drapeau bleu, voilà, pour Breton qui vient de prendre son deuxième tour. Hein. Et je pense qu'Anthony Yann se va suivre. On est à bord de la voiture du leader du championnat, on le rappelle, avec avant cette épreuve plus de 327 points au compteur. Et un premier week-end de rentrée qui a été difficile au Canada. Trois accidents et finalement un retrait pour Yanns. Rien n'a fonctionné. La balance des freins, les freinages, les dévantages. La voiture n'était pas du tout à son affaire. Et le pilote non plus. Il semble être reparti sur la bonne voie pour Anthony Yanns dans cette deuxième partie de saison. Ce dernier tiers littéralement. Les phares tout allumés pour expliquer qu'il faut s'écarter. Oh, c'était serré. Et Ludovic Breton qui s'est écarté, mais comme il fallait, hein, pour laisser passer la voiture d'Anthony Yanns. Simon Pirard 8e, qui s'en sort bien. Il était 3e sur la grille de départ, mais a été en proie à pas mal de soucis. Laurent Bougazzi également. Allez, on va embarquer pour un tour, tiens. Un tour embarqué vu qu'il ne se passe, entre guillemets, que peu de choses sur cette piste de Spa. Un tour complet en compagnie de la BMW de Julien Rosé. Profitez-en pour vous poser, monter le son et surtout n'hésitez pas à partager ce live. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie. Montez le son, c'est parti! Alors que Julien Rosé remonte sur Laurent Bougazzi, voici un tour en caméra embarquée avec la BMW. J'espère que vous en avez profité. C'est toujours agréable d'entendre le son de ces belles machines. Il va pouvoir dépasser au drapeau jaune. Drapeau jaune dans le premier secteur. L'arrêt d'Anthony Yanns pour des pneus. Et un long drapeau jaune dans le premier secteur. Oh oui! Et c'est malheureusement Ludovic Breton. Ludovic Breton qui est allé cracher la Corvette dans le raidillon. Ah là là, malheureusement.
Eh bien, Ludovic Breton qui a été surpris par la Corvette, ça nous aura échappé. On l'a brièvement aperçu, mais il y a des débris qui sont présents. Alors que là, Simon Pirard est à la lutte avec deux voitures. Vous voyez qu'on a eu un moment d'accalmie, mais ça repart très très vite. Je me demande même, si Anthony Yates ne va pas repartir en compagnie de cette joyeuse troupe. Oh, le blocage de roue là. Oh, et les deux qui vont se percuter. Thomas Pinotto qui est allé toucher la Porsche, qui a perdu deux places dans la bataille. De nouveau avec William Legrand. Et les petits coups de frein de Simon Pirard pour éviter le contact. Attention, parce que là, le dévantage est réel à l'aspiration. Et la BMW qui est bien sortie du raidillon. Peut-être l'attaque au bout de cette ligne droite du Kemmel pour le pilote belge. Presque 280 km/h au speed trap, au radar. Ça ne bouge pas. L'arrêt de Mathieu Leclerc finalement. Et David L'Espèce, le leader au box. Et Julien Rosé devrait suivre l'arrêt au box pour le leader. Alors que ça repart, on vient de le voir. Pour Aston Martin de Leclerc. On va voir si Julien Rosé, pris également dans le trafic, pourrait faire un undercut et pourrait également stopper. Et non, on continue pour Julien Rosé, on veut mener au moins un tour. Hein, pour cette épreuve ici à Spa. Et Anthony Yates, troisième, qui lui a déjà ravitaillé. Et David L'Espèce qui, ça y est, cède le commandement, c'est officiel, à Julien Rosé qui va mener au moins une épreuve ici à Spa-Francorchamps. Un tour, pardon, de cette épreuve de Spa-Francorchamps. Yates, troisième. David L'Espèce qui va perdre un temps fou. Allez. On s'impatiente. Ça y est, on a relâché David L'Espèce qui devrait normalement, puisqu'il n'est pas si loin que ça, de la fin de la pit lane, voilà, reprendre le commandement devant Anthony Yates. Derrière, drapeau jaune dans le deuxième secteur. Oh, et Mathieu Leclerc surpris par les pneus froids. Et Simon Pirard qui continue son explication avec Pinotto et Legrand. Et malheureusement, donc, on a perdu une Corvette. Attention, donc avec les pneus froids, on le disait, drapeau jaune dans le deuxième secteur de nouveau. Oh, et c'est Logan Joyeux qui, au niveau du virage Paul Frère, est allé se déposer contre le muret de béton. La voiture ne semble pas endommagée. Il a pu reprendre la piste, le pilote de la voiture numéro 15, actuellement 8e. C'était délicat. Julien Rosé qui mène toujours. Attention, David L'Espèce avec les pneus froids, également Anthony Gans. Ne pas se sentir plus férir pour tout le monde en ce moment. Et Paul Fillot toujours 11e. Julien Rosé toujours leader de cette épreuve. Alors que dans une minute, on sera à la mi-course. 45 minutes déjà écoulées dans cette épreuve de ce championnat des GTE Series. Où va-t-il ressortir avec ses pneus usés? On voit que David L'Espèce fait un tour de sortie correct. Anthony Yates qui est en train de faire un petit ajustement au niveau de la pelouse du circuit de Spa-Francorchamps. Ça va beaucoup mieux pour Mathieu Leclerc avec sa nouvelle gamme de pneus. Ça va beaucoup moins bien pour Laurent Bougassi, par contre, qui vient de se louper là au freinage du bus stop pour notre caméraman. Et ça continue pour Julien Rosé, qui va continuer peut-être essayer d'emmener un peu plus loin ses pneumatiques pour chausser des pneus à gomme plus tendre. Ça n'est pas impossible. Si vous avez des questions sur le chat, évidemment, n'hésitez pas à vous exprimer. Nous sommes là également pour y répondre. La compréhension de ces courses est primordiale pour nous et pour vous. C'est avant tout notre devoir de vous les partager. Anthony Yates qui vient d'inscrire le meilleur temps en course en 2.13.207, détrônant ainsi et David L'Espèce en 2.13.349. C'est en 3.12 hein, quand même au dernier tour pour David L'Espèce avec l'arrêt au box. Et
les chronos qui vont bien pour Julien Rosé, donc pas réellement de nécessité d'observer un arrêt au stand. Moi pour l'instant, le rythme est constant pour le pilote BMW. Simon Pirard qui passe au Raidillon. Ah, il y a du monde dans les box. Les trois qui se battent, et on a Pinotto au fond de l'écran. On a William Legrand au premier plan à droite. Et on a Logan Joyeux qui est de nouveau passé sur le côté. Qui va, malgré son erreur de tout à l'heure, prendre quelques positions. Sébastien Garcia repart. C'est le premier à être libéré. William Legrand devrait suivre normalement. Peu de temps avec. Peu de temps de différence avec l'Aston Martin. Voilà qui repart. Et vous voyez derrière la Ferrari qui s'écarte pour laisser passer au drapeau bleu. Et c'est long pour William Legrand. C'est très long. Ah, et il manque un capot sur la Aston numéro 36. Ah, et l'arrêt au stand pour Mathieu Leclerc. Oh, attention à ne pas aller là, l'entrée des stands qui a été pensée par quelqu'un qui n'a jamais vu une course de sport automobile à Spa. On pourra en parler d'ailleurs. L'étroitesse de l'entrée de cette pit lane qui, si une voiture de type GT ou GTE ou même Proto s'arrête, eh bien, impossible d'en passer une deuxième. Rappelez-vous, en 2007, aux 24 heures, une Corvette du team GLPK, si je ne dis pas de bêtises, pilotée à l'époque par Mike Eisemans, avait pris feu dans Anthony Kumpen, je ne sais plus, Anthony Kumpen peut-être dans l'entrée des box, ça avait causé beaucoup de soucis. Alors, y a-t-il des pénalités dans ce championnat si les 4 roues dépassent la ligne blanche? Eh bien, si à réclamation, pardon, il y a de la part d'un pilote après une course, eh bien, analyse des images de la part de la direction de course et pénalité peut être sanctionnée. Donc, les pilotes peuvent être, pardon, sanctionnés si ils ont été un petit peu trop loin. Alors, effectivement, au début de la course, c'était assez compliqué. Effectivement, il y avait des pilotes dans tous les sens. On a finalement libéré William Legrand, Mathieu Leclerc qui ressort mais aura perdu beaucoup de place, il est désormais 12e. Julien Rosé mène toujours la barque pour l'instant en tête avec des pneus qui semblent être plutôt constants avec la BMW devant et David Lespèce qui a lui observé un arrêt au stand. On va d'ailleurs jeter un œil aux écarts, voilà si vous souhaitez savoir qui a stoppé et combien de fois. Le premier pilote à avoir stoppé deux fois, c'est Thomas Pinotto, évidemment, suite à son accident. Anthony Hans, donc deuxième. Troisième place pour Anthony Hans. Deuxième, David Lespèce. Quatrième place pour Simon Pirard. Logan Joyeux, cinquième, malgré quelques petites erreurs. Alors, effectivement, pour ceux qui se posent la question, il y a des autorisations que l'on peut évoquer également. Et la limite de la piste peut être dépassée par les quatre roues à cet endroit, c'est-à-dire le gauche de l'eau rouge au pied du raidillon où les pilotes peuvent là mettre 4 roues au-delà des lignes blanches qui délimitent normalement cette piste. La deuxième partie est ici au Speaker's Corner. Nous sommes après l'épingle de Bruxelles où là 2 roues peuvent être placées sur le vibreur et 2 roues sur l'AstroTurf mais pas 4 roues au-delà du vibreur. Et enfin, la même règle est d'application au virage Paul Frère dans le troisième secteur. Ce sont voilà les seules exceptions autorisées par la direction de course pour le coupage. Le coupage, qui n'est pas de coupage cabana. Mon dieu, c'est horrible. On se retrouve avec... revenons à nos moutons. Avec les écarts, voilà. Et les deux seules voitures les plus proches sont celles-ci. Celles de Gilles Châtelain et de Thomas Pinotto. À bord de la Corvette, je vous invite à monter le son et profiter de cette douce mélodie américaine pendant quelques virages.
vous a aussi laissé profiter du passage mythique de Blanchimont, ce double gauche qui, avec cette voiture, est très agréable à suivre. L'écart qui grandit de petit dixième en petit dixième avec l'Aston Martin de Thomas Pinotto. L'écart se réduit par contre pour la 9 et 10e place. Vous voyez ici le leader, le deuxième pilote, pardon, et David Lespès, puisque le leader, le voici, n'a toujours pas stoppé. La 9e place donc de Laurent Bougasi à la bagarre avec Paul Fillot à bord de la BMW désormais. Oh, et Paul Fillot qui a failli la perdre à la relance. Évidemment, avec l'avant de la voiture abîmée, c'est compliqué. Notre cabine, il fait approximativement 200 degrés. C'est assez compliqué de vous commenter cette course dans de bonnes conditions. J'espère que d'ailleurs on pourra arriver au bout de cette dernière et ne pas avoir un souci comme la dernière fois où Air Factor 2 avait tout simplement cessé de fonctionner à peine l'arrivée prononcée. Trente-huit minutes, au classement. Paul Fillot qui est bien accroché à la 10e place puisque l'écart est assez important avec William Legrand. Et la BMW numéro 11 qui pourrait d'aventure, pourquoi pas, marquer ses premiers points. Mathieu Leclerc qui malheureusement avec son double arrêt a perdu beaucoup de temps. Bon, là, Anthony Yates qui est à l'explication avec ses gommes, là il leur a demandé de réagir, elles se sont réveillées. Les appels de phare pour Laurent Bougasi. Pousse-toi de là que je m'y mette. Dans le double gauche, est-ce qu'on va se mettre à l'extérieur carrément pour la ferraille? Non, il y a encore de la marge. Les appels de phare de Yates à bord de la BMW maintenant. Et voilà, la Ferrari qui s'est écartée sans problème. Oh, attention à la dérive. Oh, et on va au-delà de la piste pour Logan Joyeux. Quatrième, belle course de Logan Joyeux pour l'instant. Qui au jeu des arrêts au stand remonte fort, fort, fort. Et on va stopper du côté de Gilles Châtelain. Et je pense que Laurent Bougasi va pouvoir repasser au jeu des arrêts au stand. Ah, ça y est, l'arrêt de Julien Rosé, on l'a vu dans le fond de l'image, le voici. Et si on peut avoir la différence avec David Lespès, ça peut être bien. Donc la tête pour David Lespès, c'est désormais acté. Voilà, l'arrêt de la BMW, vous voyez sur la droite de l'écran. Ça passe pour David Lespès qui reprend la tête de cette épreuve de Spa-Francorchamps. Anthony Yates reprend la 2e place, oui. Pour l'instant, toujours 3e. Rosé qui semble bien accroché à son podium. On voit l'arrêt derrière de Paul Fillot. Attention à voir quand on lâche les voitures là, dans les box, de ne pas avoir d'unsafe release. Ça pourrait être dangereux également. Allez, on a posé la Bavaroise. Logan Joyeux, 4e. Il est un peu trop loin pour, je pense, profiter un éventuel retour. Anthony Yates, tout phare allumé. Et on repart pour la voiture de Gilles Châtelain. Et on repart également donc pour Julien Rosé, 3e de cette épreuve. Et normalement, ça devrait aller au bout avec 35 minutes au compteur. Julien Rosé devrait donc emmener cette BMW au terme de cette manche spadoise devant donc Logan Joyeux et Simon Pirard qui revient tout doucement sur le pied de podium. Il faudra surveiller l'évolution de cet écart au fur et à mesure de la dernière demi-heure de course. Thomas Pinotto 7e, Laurent Bougasi 8e, et là c'est de la lutte pour la 9e place avec Gilles Châtelain qui est ressorti des box juste sous le nez de la Porsche de William Legrand avec qui on embarque. Montez le son. On voit la Corvette bien moins à l'aise avec ses pneus frais.
mais d'une composition de gomme plus tendre. Que la Porsche qui la poursuit. Et donc ça remonte pour William Legrand. Et on va bientôt entamer la dernière demi-heure de course ici à Spa. Leclerc qui est loin, ça c'est clair, et Laurent Bougasi au box, on espère qu'il va pouvoir... Est-ce qu'il va pas repartir en compagnie de ceux-là? On va voir où ressortira le pilote de la Ferrari. En tout cas, William Legrand est toujours à la chasse de la Corvette qui a du mal avec une composition de pneus différente. Et donc Laurent Bougasi qui sera derrière et on se bat désormais donc pour la 8ème position. C'est passé pour William Legrand. Voici la caméra embarquée. Et en haut du raidillon. La Porsche est à son affaire. On voit derrière Julien Rosé. Qui va peut-être bientôt prendre un tour à ces deux-là. Mais la lutte est belle. Hein. La lutte est belle pour la 8ème position. On ne se lasse pas de cette... Oh, il la perd! Malheureusement, Gilles Châtelain. Ah, c'est dommage, mais il était sous pression. Et la Corvette qui n'était pas facile à piloter. Oh, attention, attention, retour en piste. Ah, est-ce qu'il l'a vu? Oui, il a vu. La voiture qui vient de le dépasser, celle de Mathieu Leclerc, qui remonte au 9e rang suite à cette petite erreur, cette grosse erreur de Gilles Châtelain. Bon, William Legrand n'a pas touché Châtelain dans sa perdition. Et David Lespès qui est toujours solide à environ 3 secondes 5, 4 secondes, ça aussi selon le secteur d'avance sur Anthony Hans. Alors qu'on discute karting sur le chat de manière assez technique. C'est vrai que la première moitié de course a été tellement animée que cette deuxième partie de course paraît bien calme. Quoique, j'ai peut-être parlé vite avec Simon Pirard à son affaire pour le pied de podium avec Logan Joyeux. Oh, et on a une voiture sur trois roues, je crois. Je crois qu'on a la voiture de Paul Fillon qui est sur trois roues. Ah ben voilà, il nous la joue à la Ayrton Senna. Rappelez-vous, en 91, voilà Schumacher en 98, après avoir été percuté de manière normalement non intentionnelle selon McLaren, et David Coulthard, le pilote écossais. Alors, est-ce qu'il va réussir à la ramener? Parce que sur trois roues, on peut lui en fixer une, hein. Il y a encore le porte-moyeu, hein. Donc s'il la ramène, c'est dommage pour Paul Fillon. Alors, Wilson Lagrange est à l'autre bout du circuit, donc ça n'est pas impossible qu'il continue. Il y a peut-être des points à marquer, hein, rendez-vous compte, ils ne sont plus que 13 en piste. Alors, est-ce qu'Anthony Hans peut revenir sur David Lespès? C'est la question du chat. Ça remonte très très fort, hein. Mais l'écart, je vous le disais, vacille toujours entre 3,5 et 8 secondes selon le secteur entre Yann et l'espèce. Et là, on suit le tricycle de Paul Fillon qui va. Il va quand même vite, hein. Je trouve qu'il est plutôt cool, hein, pour quelqu'un qui roule avec 3 roues là. Il en recasser une et là, c'est terminé, mais ça devrait le faire. Là, il est déjà au niveau du freinage du bus stop. Ah oui, très jolie manœuvre. Alors, est-ce qu'elle est calée maintenant cette voiture? Non, ça va, il peut repartir. Par contre, drapeau jaune dans le deuxième secteur, c'est Laurent Bougasi. Laurent Bougasi qui s'est sorti, on va essayer de le retrouver, voilà. Au niveau du SD Combe, à l'entrée du deuxième secteur. Et c'est dommage, la Ferrari, dixième. Voilà, l'arrêt de Paul Fillon. On va voir si on est doué du côté du groupe 15, le team groupe 15, pour remonter à moyeu et une roue sur cette BMW. Alors, est-ce qu'on peut la remettre en état, cette voiture?
Gérard qui s'est emparé de la quatrième place. Vous l'avez vu. Et l'abandon de Gilles Châtelain, finalement, c'est dommage. Gilles Châtelain qui vient d'abandonner avec sa voiture. Alors, est-ce qu'on a remis une quatrième roue sur cette voiture? On attend de voir, parce que si c'est sur trois roues qu'il repart, la course est tout simplement terminée pour Paul Fillon. La sortie de Gilles Châtelain, que s'est-il passé sur cette voiture? Il ne semble pas avoir d'explication pour l'instant. Et alors, Paul Fillon va devoir se dédoubler. Et Wilson Lagrange va reprendre également un certain avantage. Voilà, on a retrouvé un capot dans le fond du garage et on est reparti peut-être pour Paul Fillon. C'est pas foutu avec Wilson Lagrange. Ouais, ils vont repartir côte à côte. Ça risque d'être intéressant. Non, je pense que ça va être serré entre les deux. Vous les voyez, voilà, dans la même image, la BMW qui va être derrière les Ferrari. Elle va être derrière. Quoique à la relance. Si, ça y est, voilà. Et là, ils sont à 3. Est-ce que... Oh, et il veut laisser passer Wilson qui ne trouve pas l'ouverture et beaucoup de temps perdu, malheureusement. Et Thomas Binotto qui profite de l'arrêt de Logan Joyeux pour s'emparer du 6ème rang de cette épreuve. Voilà, il va ralentir pour ne laisser aucun doute à ses adversaires. Et voilà, Wilson Lagrange qui passe Paul Fillon, alors qu'on a, je crois, Simon Pirard qui revient sur tout ce beau monde. Voilà. Simon Pirard, 4ème. Et Gilles Châtelain, DNF. Voilà, on a les drapeaux bleus qui s'agitent de tous les côtés pour laisser passer Simon Pirard. Et c'est fait, l'arrêt de Logan Joyeux, on vous le disait. Et les pénalités qui auraient été attribuées à Gilles Châtelain pour dépassement des limites de la piste, semble-t-il. Laurent Bougasi, 10ème avec tout cela. Oh là là, et les deux ici qui se battent pour la 11ème place. Oh, il va la perdre. Oh, et Paul Fillon qui a réussi à prendre le pif, mais qui n'était pas prêt à prendre le paf ici. Et je crains pour lui que la BMW soit de travers. Si on jette un coup d'œil au volant de la voiture. Et ouais, elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Cette voiture, la direction est pliée. On sera à moins avec trois roues pour rentrer au stand. Ça explique que c'est compliqué de piloter. Allez, il va rester moins de 30 minutes dans cette épreuve. On est dans le dernier tiers de cette course de Spa-Francorchamps. Et je pense que l'on n'est pas au bout de notre surprise, puisque cette voiture est actuellement la plus rapide en piste. Anthony Yatt qui revient à moins de 3 secondes de David Lespès. Et on ne sait pas qui va l'emporter. On est à peu près sûr que ce sera une BMW parce qu'elles sont au 4 premier rang, mais on n'est plus sûr de rien. Sébastien Garcia, 5ème, qui fait la course de sa saison pour l'instant. Je crois qu'il avait été également à son affaire à Mexico, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avec une belle performance de la Ferrari. Ça revient pour Thomas Binotto et l'Aston Martin. Pour la 5ème place, la lutte, vous le voyez, fait rage. Et la lutte en tête aussi pour la victoire. Avec Anthony Yates qui, vous voyez, est maintenant désormais dans la même image que
Et David, l'espèce qui tourne moins vite que ses adversaires directs, que sont Antonienne, c'est Julien Rosé. On sait que David l'espèce est bon résistant, si je puis m'exprimer ainsi, avec la course du Canada où on l'a vu tenir la Ferrari pendant pas mal de temps, mais ça va se jouer à pas grand chose avec Anthony Yance. Je pense que d'ici 5-10 minutes, d'ici 3-4 tours, on pourra avoir une différence. Julien Rosé est bien installé. La lutte la plus intéressante en tête de course en tout cas est pour la 5ème place entre Garcia et Pinotto. Derrière, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent, si vous me passez l'expression. Et Simon Pirard, quatrième. Allez, le retour de Thomas Pinotto reste avec ces deux-là. Délicat au Durédion là pour les deux. C'est au-delà de la limite de la piste à déterminer pour Pinotto. Belle explication entre les deux pilotes ici. Oh, et ça part au large pour la Ferrari qui cède son rang. Et Sébastien Garcia battu, drapeau jaune dans le deuxième secteur. Simon Pirard dans le mur au Speaker's Corner. Et il peut repartir. Que s'est-il passé pour Simon Pirard? Il était tout seul, visiblement. Malheureusement, on ne va pas pouvoir revoir ce qui s'est passé pour la voiture numéro 19. Et ça n'allait pas dans le bon sens pour Simon Pirard. Attention, la fatigue qui commence peut-être à gagner les différents chefs des pilotes. Attention. Pour l'instant, ça ne bouge pas pour David l'espèce, mais Yance revient, hein, 1,08 seconde. Je vous ai dit, le gap entre les deux pilotes est en train de fondre, mais va-t-il être possible pour Yance de créer la différence et de dépasser? Et Julien Rosé qui pourrait ramener un solide podium cette saison. Simon Pirard qui a des problèmes au niveau du son de son casque qui par intermittence se couperait, ce qui est, je pense, une des pires choses qui peut arriver. D'ailleurs, évitez les casques sans fil si vous... Tiens, petit conseil pratique, si vous pilotez ou que vous streamez, hein, c'est un petit peu mon cas, évitez le sans fil, que ce soit souris, clavier ou encore casque. Cela évite une mauvaise surprise en pleine course ou au pire en pleine diffusion. De perdre le son ou n'importe quel composant, ça peut être dramatique. Ce drift, c'est l'occasion de fêter le 9e Gymkhana Ken Block de Mathieu Leclerc dans le virage de Bruxelles. Lui a fait perdre du temps, de la gomme, mais était plutôt spectaculaire. Si on remonte aux avant-postes, voilà, on garde en tête les deux leaders et Anthony Yates à la poursuite de et David l'espèce dans le Rédillon. Ça va fort. Mais peut-être on prend un problème du côté d'Antonian, c'est le surpilotage.
Parce qu'on l'a vu là, voilà, attaquer plus que deux mesures les vibreurs et il n'a pas besoin de ça pour revenir. Voilà, BMW de ce pilote David L'Espèce qui a, on le rappelle, gagné la dernière manche au Canada et qui est sur le point de perdre à moins de 20 minutes de l'arrivée la manche de Spa. Et bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre pour vivre l'arrivée de cette manche de Spa. 12 pilotes sur les 18 engagés sont encore avec nous. Et la lutte pour la victoire avec David L'Espèce en train de résister tant que possible à Anthony Yates. Mais la BMW est assez véloce pour revenir avec Anthony Yates maintenant. Fait ce qu'on appelle dans le métier du full attack, hein. C'est assez impressionnant. Là, le rédion il était très délicat. Alors il y a une voiture qui est ralenti là-bas devant, au moins un pilote retardé. Regardez tout cela à l'œil. Plus de lutte directe si ce n'est la 8ème place entre eux. William Legrand et Mathieu Leclerc. Pour l'instant, les 12 pilotes sont toujours en piste. Alors, la lutte la plus intéressante, mais tant qu'à faire, on t'en amène pour la première place, puisque c'est David L'Espèce et Anthony Yates qui se battent pour la victoire, tout simplement. Ça fait quelques écarts de points. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre la fin de cette épreuve. Un peu plus d'un quart d'heure pour décider du nom du vainqueur et bien malin qui pourra nous dire qui remportera cette course. On doit avoir une grosse panique dans le rétroviseur pour la Ferrari parce que là il faut laisser passer. Et il y en a deux. Attention parce qu'Anthony Yates qui arrive très vite. Qui a pu s'écarter tout juste là-bas, le pilote de la Ferrari. Et je crois Wilson Lagrange. Il vient de prendre son troisième tour de retard. Au niveau des assistances, on a au niveau de ces voitures le traction control, je pense, qui doit être activé. Je pense pas qu'il y ait d'ABS non plus, puisque les pilotes bloquent assez régulièrement leur roue. Ce serait bien que notre ami Nicolas, s'il est toujours sur le chat, nous informe un peu plus sur les conditions de pilotage de ces bolides ici en GTE. Ils sont proches les garçons. À 24 minutes, je vous avais dit 10 minutes pour qu'il y ait contact. On n'est pas loin, encore un tour et on aura fait 10 minutes. Alors maintenant, le plus dur pour David L'Espèce, ça va être de tenir, de ne pas craquer, de ne pas faire d'erreur, de rester constant, de ne pas trop se préoccuper de ce qui se passe dans ses rétroviseurs parce que c'est comme ça, eh bien, la force de l'ornier, on fait la faute. Et donc pas d'ABS et de traction control, merci. On avait un doute quand même. Hein. Et au comportement des voitures, je pensais que c'était vide de toute aide, et c'est bien le cas évidemment. Et que parfois le comportement de ces voitures est bien délicat. Notamment au GT3 qui lui dispose d'aide comme l'ABS. Ici on est complètement nu en termes d'assistance. Ah oui, l'embrayage automatique est autorisé évidemment. Encore heureux. Et le championnat de Porsche Super Cup que vous pourrez retrouver est dès la semaine prochaine. Dans deux semaines, on fera un arrêt du côté de Monza. CGTE Series. Il y a belle course qui s'annonce.
peu des chronos, on est tous en 2.14 en tête, et le reste du coup tout en 2.16. On pilote encore en 2.14 pour Garcia. Et là, la jonction qui va bientôt être faite hein, par Anthony Yans. Je vous dis, on va avoir les 10 dernières minutes qui vont être très disputées. Et derrière, il n'y a plus d'explication véritable. Ah si, peut-être, toujours la 8ème place en questionnement entre William Legrand et sa Porsche aux couleurs du célèbre navigateur pour voiture. Oh, et de nouveau, sinon c'est un festival de dérapage contrôlé qu'il fait Mathieu Leclerc. Bon, il peut cramer ses pneus, il a fait un arrêt assez tardif, donc il peut taper dedans comme on dit. On retourne à la lutte la plus importante sur cette piste de Spa, celle pour la victoire avec David Lespès. Je commence à avoir une voiture délicate. Il n'en faut pas plus à Anthony Yans pour se rapprocher. Ah, il y va fort, hein, Anthony Yans. Et ce qui pourrait jouer en sa faveur, ce sont les deux voitures qui sont devant lui. Devant eux, littéralement. Les deux pilotes retardataires devant qui se battent presque. Il faut absolument s'écarter pour Fio et Garcia. Les leaders sont dans vos rétroviseurs, messieurs. Il va falloir se mettre du bon côté. Beaucoup de temps de perdu pour David Lespès. Malheureusement, c'est le danger. Et Anthony Yans, lui, n'en a pas perdu. La jonction est faite maintenant. Et voilà, il suffit de tomber sur un bon endroit pour les retardataires, pour avoir l'espace. Mais là, c'était plus que tendu avec David Lespès. Et Yans maintenant qui est dans l'aspiration. Il ne peut pas porter d'attaque. Attention devant à la Ferrari qui pourrait déterminer le nom du vainqueur de cette épreuve. Pour être honnête, on aimerait bien voir l'espèce résister comme il l'a fait. Attention, parce que là, la BMW ne doit pas créer la troisième ligne. On freine un peu plus tôt du côté d'Anthony Yans. On a bien appris des erreurs du Canada à l'aspiration. La sortie de l'épingle de la source. Et on dit qu'Anthony va passer. C'est très très chaud, effectivement, dans ce dernier quart d'heure. Attention, il perd la voiture et dans Rédion, l'énorme accident de David Lespès à 10 minutes de l'arrivée. Incroyable, tout à fait comme tout à l'heure. La BMW qui lui a totalement échappé en haut du Rédion. Incroyable, incroyable. Et Anthony Yans qui se retrouve en tête et Julien Rosé deuxième. Si David Lespès parvient à la ramener au bout en 10 minutes, c'est pas possible. Quel retournement de situation ici à Spa-Francorchamps. David Lespès qui a mené pendant près de 80 minutes cette épreuve depuis la sortie de Nicolas Payès. Il s'est fait également surprendre au Rédion et de la même manière que la Ferrari au départ avec Anthony Yans dans l'aspiration. Ça fait deux fois qu'une voiture décroche sous le nez de la BMW du Belge. Assez incroyable. Alors pour l'instant, Yans est en tête évidemment avec la BMW. Il ne doit plus faire d'erreur. Deuxième David Lespès, mais il va falloir malheureusement pour lui passer au box. Mais quelle déception pour le vainqueur du Canada qui allait nous offrir une superbe lutte et malheureusement le dévantage dans le Rédillon. Quelle dure récompense après tant d'efforts. On s'y attendait pas, hein, sincèrement. Pour être honnête, est-ce que le podium peut se jouer encore pour David Lespès qu'on aimerait bien voir en interview à l'issue de l'épreuve, Julien Rosé qui a du coup remis les bouchées doubles pour arriver au bout. Et nous sommes, ça y est, dans les 10 dernières minutes de cette épreuve qui aura tenu toutes ses promesses avec des rebondissements, des accidents, des dépassements et des belles bagarres. Et Simon Pirard qui évidemment pourrait terminer sur le podium avec sa BMW. Incroyable cette fin d'épreuve ici à Spa-Francorchamps. Et Anthony Yans en tête, donc devant
David, l'espèce qui va devoir donc stopper. Ah oui, elle est plus en ligne, cette voiture, il y a une géométrie à faire. Mais quel rebondissement et quelle cruauté pour David l'espèce. Allez, on la ramène tant bien que mal, cette BMW. Oh là, attention à ne pas dépasser non plus la limite de la vitesse dans les box. Mais il doit s'en vouloir. Qu'est-ce qu'il doit s'en vouloir? Et ça rage visiblement dans la radio de la BMW. À suivre maintenant Julien Rosé qui va sans doute récupérer la deuxième place de cette épreuve. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est Simon Pirard qui est arrêté. Simon Pirard arrêté au virage de Bruxelles. Et ça repart. Pourquoi? Simon Pirard qui a stoppé. Visiblement des problèmes de casque pour le pilote belge qui n'entendait plus le son de sa voiture, laissant ainsi Thomas Pinotto quatrième. L'Aston Martin peut faire un podium. Et Anthony Hans qui visiblement est en train de tuer les oreilles de ses équipiers sur TeamSpeak, il n'y croit pas. En tout cas, celle-là, il l'aura méritée. Non pas que les autres, il ne les ait pas méritées, mais là, celle-là, elle vaut cher, cette victoire. Julien Rosé, deuxième. Et ça sort pour David l'espèce qui repart en piste troisième. Il y a 8 minutes à tenir pour la BMW et sauver les meubles pour David l'espèce devant Thomas Pinotto qui est au niveau de Blanchimont. Donc il y a quand même un assez grand écart entre les deux. Simon Pirard cinquième qui a donc stoppé pour visiblement des soucis de casque. Quelle vengeance d'Anthony Hans après un week-end difficile au Québec. 7 minutes 50 au compteur de l'épreuve et on n'est pas au bout de nos surprises, moi je vous le dis. Simon Pirard 5ème, donc il y a eu des soucis. Sébastien Garcia 6ème et derrière ça ne bougera plus. Je pense que les pilotes sont beaucoup trop séparés les uns des autres. Alors attention pour Anthony Hans. Il va prendre un tour à Laurent Bougassi, 37 tours ici à Spa, 37 tours couverts pour Anthony Hans qui mène donc cette épreuve. Ah, quel dommage pour... Ah, c'est très dur à avaler. C'est très, très dur à avaler pour David l'espèce. Il aura fait 85% du boulot. Oh, attention, monsieur Hans, là, les limites de la piste. Certes, vous dépassez un retardataire, mais il faut quand même respecter le règlement. Hein. Bon, il n'a pas tout gagné non plus à cause de ce dépassement et de cette manœuvre, mais quand même, c'est assez, assez limite. Six minutes 40. Et le triplé BMW qui se dessine. Et non, il est beaucoup trop loin de toute façon. Thomas Pinotto, c'est dommage. Je pensais que les réparations allaient être plus longues. Prendre plus de temps pour David l'espèce. En tout cas, qui allait prédire après le premier tour que ça allait se finir comme ça? En tout cas, c'est vrai qu'entre les accidents dans le raidillon et quelques erreurs techniques de l'un et de l'autre, Anthony Hans, c'est celui qui une nouvelle fois a montré qu'il était le plus solide dans ce championnat. Il a abandonné la Porsche Cup alors qu'il était largement en tête pour se concentrer à 100% sur ce championnat des GTE Series, des courses d'1h30 avec des GTE très compliquées à piloter. On vous le disait, pas d'ABS, pas de traction control sur ces voitures, de quoi mettre à l'épreuve les neurones, les nerfs et les avant-bras. Tenir ses bolides sur une piste comme Spa-Francorchamps où heureusement il y a des zones de repos. Ce sera aussi le cas à Monza la semaine du 5 octobre. Soyez avec nous d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre cette chaîne Twitch pour ne manquer aucune diffusion et recevoir la petite notification dès qu'un direct se passe. C'est généralement le mercredi ou le samedi. 5 minutes, les 5 dernières minutes de cette épreuve. Il doit nous rester, je crois, 3 tours pour Anthony Hans. 3 tours sans craquer. Mais que c'est dur pour David l'espèce, sincèrement, qui est parti en plus super soft. Là, il n'a plus rien à jouer. Attention, parce que Simon Pirard n'a pas dit son dernier mot.
Oh, et Simon Pirard qui se loupe à force de surpiloter. On vous le disait, et Logan Joyeux qui va terminer logiquement 7ème. C'est pas mal, après une course difficile et un passage au stand supplémentaire nécessaire. William Legrand, 8ème, belle performance pour l'instant également du pilote de la seule Porsche qui était aux mains de Benoît Daubert en tout début de saison, qui faisait des merveilles avec cette voiture. Rappelez-vous notamment de Mexico et de Bathurst, de belles courses. Franck Bougasi 10ème et Paul Fillot 11ème. Wilson Lagrange est 12ème et dernier pilote en piste. Et David Lespèce qui effectivement chaussé de ses pneus les plus tendres nous fait un 2-12-468. Donc elle est encore performante hein, cette petite voiture. Alors est-ce que Julien Rosé va réussir à tenir les assauts de David Lespèce? Logiquement oui. Il ne va pas rester assez de temps. Il reste au bas mot 2 tours je pense pour Anthony Yates. Le prochain sera l'avant-dernier. Il est au niveau du raccordement désormais. 3 minutes 25. Oh, il y avait de la fumée ou c'est moi là? J'ai eu l'impression qu'il y avait de la fumée au niveau de Blanchimont et qu'une voiture était sortie, mais il n'en est rien. Quelle fin de course ici à Spa-Francorchamps avec chaque fois qu'Anthony Hans avait une voiture dans son aspiration au Durédion, elle partait à la faute. Anthony Hans qui mène donc sa barque dans l'avant-dernier tour de cette épreuve. Julien Rosé deuxième. Belle performance de Julien Rosé. David Lespèce qu'on espérait en tête. Troisième de cette épreuve. Simon Pirard qui est repassé devant Thomas Pinotto. Quatrième place donc pour Simon Pirard devant Pinotto. Sébastien Garcia, 6ème. Belle performance du pilote de la Ferrari. Logan Joyeux, 7ème, qui va prendre un tour à Fillot, je pense. Effectivement, la BMW de Fillot. William Legrand, 8ème. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. De qui s'agit-il? Oh, une BMW, c'est Simon Pirard. Eh oui. Eh, Simon Pirard, j'ai cru un instant que c'était Anthony Hans, je n'y ai pas cru. Et c'est bien Simon Pirard qui est parti à la faute. Alors, David Lespèce qui revient effectivement très très fort, mais ça ne sera pas suffisant, vous le voyez, dans le fond de l'image. À moins de voir les pneus de Julien Rosé s'écrouler. Alors Anthony Hans qui lui est à l'autre bout de ce circuit de Spa, qui continue à refroidir décidément. On va devoir mettre un petit chauffage électrique dans cette cabine ici à Spa-Francorchamps. Très mal situé mais bien chauffé hein, pour parler d'expérience. Alors la température ambiante 10 degrés, c'est ce que je voulais vous mentionner. Une minute la dernière de cette manche belge et le dernier tour qui va être entamé d'ici quelques secondes par Anthony Hans. On n'a pu prendre aucun risque du côté du pilote belge. Il s'est fait assez de frayeur je pense ce soir avec deux pilotes qui ont décroché sous le capot de sa BMW. Victoire à domicile pour Anthony Hans. Tout bon, oui non pardon, j'avais vu quelque chose sur le classement mais c'est une erreur. Donc je disais, donc victoire à domicile pour Anthony Hans, tout semble être pour lui. Ce soir, Julien Rosé deuxième position alors qu'on est dans le pif-paf, dans Rivage là. Et David Lespèce qui revient effectivement très très fort. Mais est-ce que dans les deux tours qu'il reste, ça pourra le faire? Et oui, un pour tous, tous dans le mur, bel adage dans le chat. Alors, dernier tour, effectivement, on va pas non plus manquer Anthony Hans, mais on aimerait bien qu'Air Factor 2 ne plante pas au moment de la fin de l'épreuve, ça serait bien gentil. Ça nous aiderait beaucoup.
Est-ce qu'il va le faire? Il va lui rester un tour. Alors Anthony Hans qui à l'issue de ce tour remportera l'épreuve. Mais la deuxième place c'est pas joué avec David Lespèce qui à l'issue d'une course difficile pourrait terminer deuxième. Alors les pronostics sur le chat, on continue hein, évidemment, c'est le PMU de chez Maxim Pilote. On devrait limite faire un straw poll en début d'épreuve pour proposer les podiums. Alors ça passe, ça ne passe pas, on est assez de nouveau divisé, hein. La France est divisée en deux sur le chat. Est-ce qu'il va repasser David Lespèce? Alors qu'Anthony Hans est en tête, on aimerait bien voir l'arrivée, mais j'ai peur qu'Air Factor 2 ne nous fasse une mauvaise blague. Comme ça a été le cas lors de la semaine dernière, on aimerait bien, on va rester sur le dépassement. Navré, monsieur Hans, mais là, on aimerait bien voir si ça va s'expliquer ou pas. Je crois que ça va passer malheureusement pour Julien Rosé. Oh, et qu'il la perd à la limite. Voilà Anthony Hans qui remporte cette épreuve ici à Spa-Francorchamps. Victoire d'Anthony Hans, on retourne. Et non, voilà, Air Factor 2 qui plante, on ne sait pas pourquoi. Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe. On a eu la même blague la semaine dernière, donc on ne saura pas qui termine sur le podium. C'est quand même assez scandaleux. Bon, écoutez, on va quand même tenter l'affaire. Hein. On va quand même tenter l'affaire. C'est quand même grave. Bon, écoutez, victoire d'Anthony Hans, ça c'est sûr, mais pour la deuxième place, moi j'ai mon live timing. Pour moi, Julien Rosé est toujours deuxième de cette épreuve. On va voir le timing. C'est quand même grave, ce problème dont on avait déjà eu une expérience lors de la dernière course. Mais c'est Air Factor 2, on s'est penché sur le problème du côté de la FFSCA, mais... Peut-être un souci de mon côté. Bon, Julien Rosé, toujours deuxième chez moi. À un dixième de retard, David Lespèce. Il est dans le diffuseur, hein. Ça c'est clair. Est-ce que David Lespèce va passer pour la deuxième place? Deux dixièmes entre les deux pilotes. Ils sont dans le troisième secteur, donc ça va se jouer d'ici très peu de temps. Et ça semble terminé, Julien Rosé serait deuxième de l'épreuve. Effectivement, Julien Rosé termine deuxième devant David Lespèce. Et effectivement, Air Factor 2 qui plante à l'arrivée du premier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... On ne peut plus dommageable. Bon, au niveau du classement, tout le monde semble avoir passé cette ligne d'arrivée. Un petit point tout de même avec la victoire donc d'Anthony Hans devant Rosé, Lespèce, Pinotto. Pinotto n'a pas encore passé la ligne d'arrivée. Mais écoutez, je vous propose, les amis, de marquer une courte pause musicale. Et on se retrouve d'ici quelques petites secondes pour vivre l'interview des vainqueurs. D'ici là, restez attentifs, à tout de suite.
Et on se retrouve avec le podium de cette soirée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on se retrouve avec donc les trois premiers de cette manche spadoise. Et ça aura été compliqué de vous retrouver, messieurs, puisqu'effectivement, une nouvelle fois, nous avons eu quelques petits soucis techniques avec l'arrivée d'Air Factor 2. Bref, passons sur ce point et procédons comme à l'habitude par l'ordre inverse de l'arrivée. On va commencer avec David qui termine troisième après un dernier tour très serré, mais pas que. Raconte-nous comment tu as vécu cette course. D'abord, donc parti, je le rappelle, depuis la pole avec la BMW. Ça a été un départ très compliqué. Non, pardon, pas du tout parti de la pole. Non, troisième place. Troisième place, pardon, désolé, je confonds les couleurs, c'est pas grave. Parti de la deuxième ligne, pardon, avec la BMW, on va y arriver, et qui aura donc été tapé le mur en haut du raidillon, le fameux raidillon, alors qu'il avait mené pendant quasiment 90% de la course. Raconte-nous donc ton épreuve spadoise. Bon, déjà j'étais un petit peu surpris de voir Anthony et Nicolas s'accrocher, je sais plus si c'était au premier ou au deuxième tour, je pense que c'était au deuxième tour. Donc du coup ça a complètement changé ma course, parce que honnêtement je pensais que j'étais vraiment pas aussi rapide que deux, parce que j'étais pas très très à l'aise avec le setup. Finalement ça s'est quand même très bien déroulé jusqu'à ce qu'Anthony revienne sur moi, doucement mais sûrement. Et en fait, je pense que ça s'est joué surtout au moins un moment où j'étais un petit peu gêné par un retardataire où Anthony a recollé. Et après, voilà, il était juste derrière moi, enfin collé à mon aileron à l'entrée du raidillon. Et je pense que j'ai perdu un petit peu d'appui sur l'aileron arrière. Et c'est ce qui m'a envoyé dans le mur, quoi. On avait une situation qui était quasiment identique à ce qui s'est passé au départ, c'est-à-dire Anthony qui était dans l'aspiration véritablement de la voiture devant lui, et l'impression que cette voiture a perdu totalement tout appui. Et pourtant, pour avoir eu Nicolas sur le chat, il nous expliquait que lui aussi avait augmenté l'appui sur sa voiture en prévision de la course, et que malgré ça, il a été surpris par le décrochage. Bon, malgré tout, tu ramènes la voiture, tu arrives à quasiment finir deuxième. Bon, tu es troisième, c'est une belle consolation. Ça aurait pu mal finir aussi après cette sortie. Ouais, ça aurait pu pas finir du tout. Ouais. Effectivement, j'ai eu beaucoup de bol de ramener la voiture parce qu'elle était vraiment, était complètement de travers. C'était inconduisible. J'ai eu de la chance, j'ai pu réparer sans perdre trop de temps. Et après, bon, j'ai cru que j'allais passer Julien, mais bon, ça a failli mal se terminer aussi. Donc, on a failli se foutre en l'air tous les deux. Ça aurait été un petit peu dommage entre équipiers, quoi. Mais bon, voilà, bah écoute, troisième déjà, c'est déjà bien, je suis déjà content d'avoir terminé sur le podium. Alors du coup, belle performance, la prochaine épreuve c'est Monza, tu as gagné le Canada, un podium ici, Monza, on continue comme ça ? Ah bah écoute, on va essayer de continuer comme ça, c'est un petit peu le même genre de circuit que Montréal au niveau du setup, je pense, donc bon, ça devrait bien se passer. Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci en tout cas pour ces quelques mots et félicitations encore pour cette troisième, presque deuxième place obtenue aujourd'hui ici à Spa. Merci. Merci. On passe à Julien. Julien Rosé, bonsoir. Bonsoir. Alors Julien, tu termines deuxième d'une épreuve rocambolesque avec une chute incroyable de pilotes un peu partout, et surtout deux, trois derniers tours qui ont été assez tendus avec des rétroviseurs remplis d'une certaine voiture blanche et bleue. Raconte-nous un peu comment tu as vécu toi cette épreuve de Spa. Ben déjà, elle a mal commencé, je suis parti cinquième, mal parti, comme assez souvent cette année. Au premier virage, j'ai eu un accrochage, si je me souviens bien, je suis reparti dernier, donc j'ai dû remonter tout le monde, grâce à leurs erreurs, et j'ai pu remonter en troisième place, jusqu'à ce que David se double dans le raidillon, qu'il ravitaille et qu'il me remonte à très vive allure avec ses pneus soft. Et j'ai bien cru qu'il allait me passer dans le dernier tour. Donc c'était difficile, une course difficile au début et à la fin. Au milieu, c'était un peu plus tranquille, on va dire. Tu as eu le temps de souffler entre les deux moments importants de l'épreuve. Oui, voilà. C'est faire vrai attention aux pneus. Effectivement, on l'oublie, mais tu étais impliqué dans le premier accident à la source avec Logan Joyeux notamment, et je crois une Corvette. Donc oui, tu étais je crois 18e à la sortie de la source, et tu remontes très très bien. Donc oui, c'était compliqué aujourd'hui, et tu as su, avec certes un peu de chance mais aussi du talent, récupérer cette troisième place, un podium qui fait du bien et au championnat et au moral, j'imagine. Ah, tout à fait, oui, ça fait plaisir. Alors du coup, la question qu'on a envie de te poser, podium ou pas du côté de...
de Monza, le 5. Ah bah, ce serait avec plaisir encore une fois de tout faire pour. On verra bien ce que ça va donner. Bah écoute, on souhaite de nouveau t'entendre lors de la manche de Monza. Bah écoute, félicitations pour cette belle deuxième place et les points qui vont avec te reviennent, 18 si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup à toi Julien et encore félicitations pour cette belle course. Merci à toi Maxou. Et à la prochaine. À la prochaine. On passe à Monsieur Anthony Jans, vainqueur chez lui à la maison dans son jardin. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Alors, une course qui n'aura pas été calme. Hein. Tu as eu quelques voitures qui te sont passées sous la lame avant, pas mal d'explications, de dépassements et finalement de la sagesse, du rythme. Et tu as su tirer ton épingle du jeu et être solide. Comme tu le sais l'être parfois, mieux qu'au Canada, il est vrai, et tu as remporté cette course. Raconte-nous un peu comment tu as vécu déjà le départ, dans un premier temps, avec le Redillon, ce qui s'est passé. Bon, ben voilà, on est plutôt pas trop mal parti. Moi, mon but, c'était quand même d'être dans les échappements de Nicolas, pouvoir d'entrée de jeu faire une attaque dans la ligne droite après le Redillon. Et puis bon, bah voilà, il a perdu la voiture à peu près au sommet du raidillon. Et bah, elle s'est mise en plein milieu de la trajectoire. Donc moi, par réflexe un peu maladroit, bah, j'ai mis un gros coup de volant à gauche. Et bah ouais, je suis parti en tête à queue direct. Ça m'a bousillé les pneus. Donc je savais bien que déjà, c'était 45 minutes de course qui étaient foutues en l'air, quoi. Donc j'ai essayé d'amener la bagnole à la limite de ce que l'essence pouvait me faire aller dans la seconde partie de la course. Donc on avait calculé qu'il fallait que je rentre à peu près à une cinquantaine de minutes. 52 minutes, quelque chose comme ça. Ce que j'ai fait, donc puis après bah, j'avais 9 secondes de retard sur David. Et puis c'était full attaque, quoi, en essayant de garder les pneus maximum. Et bon, l'écart descendait tous les tours, on me disait 6 dixièmes, 7 dixièmes, 4 dixièmes, donc bah, ça me boostait. Puis bon, voilà, je suis arrivé dans la seconde. Là, retardataire a un petit peu bloqué David, ce qui m'a permis vraiment d'être dans son échappement. Et puis on arrive dans le raidillon, la même chose qu'avec Nicolas, mais j'ai directement vu l'arrière qui dérobait et je m'y suis. Enfin, je vais dire, j'ai mieux réagi que la première fois, ce qui m'a permis de passer. Après, bon, bah, c'était tranquille jusqu'à l'arrivée, quoi. Ouais, difficile de réagir quand tu es à cette vitesse-là, délesté, avec une voiture qui, sous ton nez, décroche. C'est un choix très rapide à faire, c'est gauche ou droite, et bon, là, tu as fait un meilleur choix. Donc, tu remportes cette épreuve, donc de nouveau, de gros points engagés. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal de retours sur les coupages, etc., qui sont tolérés parce qu'on a vu beaucoup de voitures aller au-delà des limites de la piste. Est-ce que c'est pas trop tentant justement d'aller titiller le bord de piste sur cette piste justement de Spa? On a eu beaucoup de, enfin on a entendu un petit peu le briefing nous en interne et on a entendu que effectivement là on peut pas, etc. Est-ce que c'est tentant ou est-ce qu'avec la fatigue on ne va pas d'instinct plus large que ce qu'on ne peut? Bah, je pense que le premier facteur qui fait que beaucoup de pilotes peut-être abusent des limites, c'est qu'il y a bah, les dégagements, hein, c'est le comment je dirais, la discussion éternelle depuis ouais, oui. Depuis ces quelques années. Puis bon, bah voilà, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme l'usure de pneus. Bah, on perd un peu l'avant, donc on veut essayer d'aller le plus proche possible de ce qu'on avait avec des pneus neufs, donc on tire dans les largeurs. Alors bon, voilà, la commission elle ne tient pas compte de ça. Si c'est quelque chose d'abusif, bah, c'est pénalisé. Si c'est isolé ou très rarement dans la course, bah, voilà, c'est pas non plus pénalisé. Il faut que ce soit vraiment, répétitif et abusif. Ça apporte un avantage. Voilà. Ouais, un avantage. Si c'est une fois, si une coupe isolée, mais qui a deux positions de gagner, évidemment, ce sera pénalisé, quoi. Voilà, c'est une petite précision qui est importante parce que c'est pas toujours évident sur le chat et c'est pour ceux qui sont restés avec nous ou qui regardent cette VOD, c'est un point auquel on prête particulièrement attention à la FFSCA. Et voilà, c'était bien de le mentionner. Bien écoute, merci Anthony pour nous avoir conté ta course. Félicitations pour cette nouvelle victoire ici à Spa. On se donne rendez-vous dans ce cas-là à Monza pour la prochaine épreuve.
Rendez-vous pris. Hein. Ah, formidable, on a hâte de voir. Merci Anthony, merci David et merci Julien, merci messieurs pour votre temps et félicitations pour ce podium ici à Spa-Francorchamps. On vous laisse libre de retourner dans vos TeamSpeak respectifs et nous, eh bien, on va conclure cette diffusion. Merci messieurs et encore bravo. Merci. Au revoir. Quant à nous, eh bien, on va en terminer avec cette diffusion. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dès la semaine prochaine pour vivre la Porsche Super Cup. On sera du côté de Spa-Francorchamps. Tiens, on va garder les clés dans la poche jusqu'à mercredi prochain. Et dans deux semaines, le 5, ce sera pour le retour des GTE Series. On sera là du côté de Monza. Merci pour votre attention et votre fidélité. Et passez une agréable et douce soirée. On se retrouve très vite pour vivre ensemble de nouvelles aventures sur la piste ou en cabine. Et à la prochaine. Ciao, bonne soirée. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Through your mind, this feeling's got me on fire.